Musique que j'ai mis. Je suis là, pipi. I am the year, revenez, revenez, revenez. I am the year, I am the prêtre pour toi, pipi. Vraiment, c'est ici. Tu peux t'asseoir là où je vais m'asseoir maintenant. Tu peux t'asseoir. Je m'en fous, moi, je pas. Et dorment quoi, le matin. Ils vont revenir, c'est la musique. Revenez, revenez, faites vite. C'est la musique. Même si vous êtes un, je commence. C'est la musique que j'ai mis là, c'est ça qu'on m'a dit. Oui. Pourtant, soit je danse, c'est ça, ne fait pas ça. Les Américains sont des fous. Il faut déjà écrire. Que tu n'es pas respecté. Non, je n'ai Welcome to the kitchen. Welcome, welcome. Welcome to the kitchen. On te voit préparer. Regarde-moi ça. Tu es devenu éduqué. Mmh. Maman, Lolo. Et si je n'étais pas que j'allais à l'hôpital, pipi, tu allais voir comment j'attends. Je suis la seule blogueuse que tous les décembre, j'arrange ma table, je mange les fruits de mer. Tu penses que la gueule que tu veux, tu es élevé, tu ne peux pas. Tu attaques seulement les gens que tu n'as rien fait dans ta vie. Voilà ta meilleure copine, Joséphine Bayan. Hein? Tu vois quand quelqu'un me prend, hein? Alors, que quand même quelque chose. Regarde, tu vois, hein? Tu vois, tu ramasses que les riches à trembler. Les voleurs. J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis là. Ouais. J'ai mes petits clients, mon gars. On a dormi, on vient se réveiller. Comment tu peux. Même, tu te bats même souvent avec quoi? Même la beauté, tu n'as pas. Sept. Trois hein? Couples. Trois couples plus la vie que j'avais. On a dormi à sept ici, là, mon gars. Ouais. Jusqu'au petit matin. Eh oui, voilà. C'est parti. Couché dans les chambres des autres parents. Ouais, j'ai un matelas. Regarde-moi ceci. Elle se bat. Non, je vais te laver aujourd'hui. Regarde ceci. À part tes injures, Lolo, est-ce que tu me peux? Même le sac que je porte, tu peux porter mon sac. Lolo, moi j'ai fait. Toi, tu as raté quoi? Tu ramasses que les derniers de la veuve joyeuse. Quand mon appartement finit avec un camp, les conneries que tu connais les réseaux sociaux, c'est toi-même qui accueille quand mon appartement avec le champagne. Il oublie son téléphone. Oh, elle commence à crier. Oui, tu veux moi, tu es pathétique. Regarde avec qui tu traînes. Découvre-moi, c'est lui ton ami. T'as pas honte? Utilité. T'as pas. Avec la voiture utilitaire. Tu vois? Elle livre le courrier, ma. C'est là où, quand la veuve joyeuse a fini, c'est là où on chasse quelqu'un, c'est là où tu vas ramasser. Tu ne peux jamais progresser. Tu as fait l'école de journalisme quand? Oui. Regarde là. Pitiation fournie. Tu vas racler les murs. J'ai des commandes. Vraiment, c'est celle-ci. Tu parles à qui? Elle vient s'asseoir à Facebook, il faut voir, c'est mieux. Hein? Si les petits-enfants ont bu la bière, ça fait quoi? Tu penses que les petits-enfants, là, c'est eux, c'est vraiment eux. Tout ça, c'est pour saboter le Cameroun. Tu penses qu'on peut vendre les bières aux petits-enfants? Vous aimez ça? Oui. On sait très bien de quel côté tu es. Vous prenez les petits-enfants. Les petits-enfants, moi, vous l'avez. Tu viens parler, tu as les enfants. Tu n'as rien. Rien du tout. On te chasse partout. Après, viens dire, c'est moi. C'est toujours toi qui chasse. Une personne qui a fait une chasse. Voilà un homme. Quand on suce la bouche à Facebook, tu es là. Toi, tu vas sucer la bouche du mon gars. Oh! Maman. De comment vous merci. Merci de ramasser les restes. De Bamileke. Le reste de Bamileke. Regarde ta soeur. Elle a dormi au Cartonneries. À London. Quelqu'un? Oui, elle a voyagé. Elle a pris le vol. Toi, tu es là. C'est des commandes. La voiture est utilitaire. Tu penses que moi, quand je vais commencer, le 15, non, non, le 15, quand tu vas me voir, tu vas voir dans le celui-ci. Donc, c'est ça, c'est classe belle. Heavy. Tu entends? Je ne veux pas aller dans les petits milieux des Africains pour aller danser au salut, ben, je ne sais pas quoi. Parce que je ne suis pas une famille de ce genre de monde. Regarde-moi ça. J'ai des copines. Comment? À Cannes, à Monaco, et tout. Et que, ouais, je viens pas aussi gratter, rien. Toi, tu grattes que les gens, comme les décomment à Mougou à Facebook. Tu ouvres sa sale bouche. Imbécile. Mbab, la rate, bam, je dis bam, oui.
Voilà ton fils, Niat, qui insulte les enfants, les autres. C'est ton fils. C'est quand la panthère qui a sorti celle-ci. Ndemanou m'a dit. Comment on appelle Niat m'a dit que tu étais sa mère. Quand la panthère avait dit que les gens m'ont sorti ici, ta mère là-bas, elle boit ce drogue là-bas à Paris. On t'a jeté à côté de la poubelle. Oui. Je vous mens pas au nom de Dieu. Niat, c'est l'enfant de l'eau. Voilà, comme vous voyez ça. Elle a déjà tout fait pour voir les enfants. Niat, c'était mon ami. Il m'avait tout dit. Tu es un enfant avec tes longues, tes seins arrivent ici. Ici, là. Il faut mettre dans un soutien. Il faut remplir comme ça. Il faut tourner comme ça. Regarde-moi. Moi, je vais être debout. Avec tout ça, tu as quoi? Rien que la gueule qui te reste. T'as la télévision. Tu vois, qui va venir à la télévision là? Tu vas payer avec quoi? Regarde-moi, il est de tout le monde fait ici. Mais un jour, quand je vais pitié de toi, je vais te tenir avec ma confie. Parce que je suis la personne qui te tient la main. Mais moi, personne ne me tient jamais la main parce que moi, j'essaie de me débrouiller tout seul. Tu parles à qui? Regarde-moi celle-ci. On a dit à Yamse. Quand on te fait tuer ça qu'à Yamse, parce qu'elle veut que tu. Elle veut que tu. Monsieur, Bisson Nadia. Bonjour, monsieur. C'est Mfoula, non? Monsieur Mfoula, oui. Oui. N'importe quoi, regarde-moi celle-ci. Regarde, quand je vois quelqu'un. Même si elle est moins un peu comme ça. Moi, je vais la soutenir dans tout ce qu'elle va faire. Je serai là pour elle. 3 litres de Magnum. Oui. 3 litres de Magnum. Il a dit qu'elle est Magnum. Il a dit les procès. Donne le monde de ce qu'on a vu ici. Je vais juste soutenir quelqu'un. Gros procès. Parce que quand je la vois, regarde. Là où tu devais être. Josephine Bayan, c'est la vie de qui? Ce n'est pas vrai, Josephine Bayan, que je suis parti tienner pour faire la procession là-bas. Comment on appelle ça? Abata. Quelqu'un m'a appris. Ah ouais. Maman, elle prend que l'avion. On l'a fait. Regarde tes amis. Regarde les Douabala. Toi, tu es là, tu fais tout. On n'a pas un goût. Il nous faut ici. Oh, partagez mon direct. Hein. Parce que là où je suis assis, c'est mon petit service. Partagez. Oh, là, voilà qui est pour au Canada. Elle part, tu fais la même chose. Elle va s'enfermer dans une chambre, dans le noir. Tu crois que moi, si il va aller quelque part, je vais aller m'enfermer. Tu manques trop. Une menteuse internationale. Tu vas m'insulter autant que tu veux. Mais moi, je vais te ridiculiser autant que je veux. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Oui. Même si ma maison est bien. C'est ma maison que j'ai conçue quand même avec mon cul. Toi, tu as fait quoi? Regarde-moi celle-ci. Tu peux te mesurer à moi. Peut-être en taille, oui. La seule chose que tu me dépasses, c'est en taille. Non? La seule chose que tu me dépasses, c'est en taille. Regarde-moi celle-ci. Ça, c'est bon. C'est un gros ça a chassé. Oui, ma, dans la villa là. Ma mère habite à côté. Oui. Et nous, Madoussalaman, au parc, non. Et moi, Elisabeth est en bas. Oui. C'est ma maison. Elisabeth, la paix au parc, on dit moi, il a un moment, il a la soupe, on a un moussinga. Oui. C'est une babilité qui parle Pongo, hein? C'est une babilité qui parle. Tu parles quoi? Pongo? Pongo? Eh bien, je vous attendez, c'est une babilité. Eh oui. Les sont sur la dérive. Tu ne me peux pas. Tout le monde n'est pas dans la même catégorie. Natacha, mais on a que. Elle peut t'amener où? Écoute, ton petit frère. Bois bien, après tu vas tomber malade. Tout le monde a fait quelque chose. Ouais, Lolo. En 2023, c'était dur pour moi. Quand même. Je me suis quand même fait opérer. On appelle opération réussie. Toi, tu as eu quoi? Ouais. À cette chose que tu as eu dans ta vie. C'est d'aller des commandes. Tu es le plus beau. Regarde-toi, ta personne. Mais là, tu sais, on vit en Europe. Si je me suis laissé faire, il y a un temps comme ça. Mais je veux te montrer qui je suis. Classe élégante.
Je vais te naguer. Regarde-moi celle-ci. Regarde. Avec qui? Dès comme un mot, tu penses tu dis le reste de tout le monde. Toujours. Et tu me parles, moi. Je dis Lolo, tu me dépasses ma taille. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Je ne connais jamais été chez toi. Parce que tu es pauvre. Il fallait voir ta, le jour de la. Le ours, le jour de l'ours Saint-Sylvestre. Tu avais quoi sur la table? Avec ta cuisine. Welcome, welcome. Welcome to the kitchen. Tu travailles. Une cuisine témoin. Et tu vas en train de faire ce travail parce que tu vas te jeter dehors bientôt. Tu parles à qui? Oh, mais les manières. On va te donner 5000 euros. Tu ressens une personne qui peut avoir 5000 euros. Hein, je vais aussi faire ça. Je vais aussi faire. Tu vas faire quoi? L'année, si va rester comme ça, nothing. Oui, mais moi je veux progresser parce que moi je sais chercher tout seul. Tu vas toujours continuer à aller dans les meubles, dans les trucs, les décors, mon goût. Je dis que moi je suis Lolo, tu as déjà montré que tu n'es rien. Tu es parti couler à Dubaï. Tu es rentré à cause de 300 euros. Hein? Merci, merci pour la corvette que tu m'as donnée. Hein? Tes gens coûtent 5000 euros. Mais ils sont incapables de t'envoyer un peu d'argent pour faire les courses de Dubaï. Rien. Et tu viens parler à Facebook. Il y a toujours toi qu'on donne l'argent. Mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Mais tu peux quand même faire un peu un permis. Tu peux acheter une voiture. Tu peux aller faire une formation. Moi, je ne parle, je suis pas comme toi. Je n'ai pas besoin. Et là où tu vois, ceci, madame de Lenon, j'aurai mon héritage. J'aurai tout. Moi, j'ai l'espoir. Toi, tu as fait l'espoir. Avec les papiers de punérée. Les papiers, déjà, qui auraient fait 5 ans ici, après 5 ans, on vous dit que tu pars à la préfecture, on te remet les papiers. Qu'est-ce que tu as? Tu fais partie des gens que dès qu'on va dire que je veux, je serai l'homme bien millénaire. Tu vas rentrer au pays. Je vais aller te dénoncer. Tu es là en France. Tu serais comment elle vit là? Elle n'a même pas l'air. Même elle, ça ne touche pas. Hein. Non, elle n'a pas. Elle vit comme ça. Elle vit de la prostitution. C'est la vie joyeuse. J'ai décidé que ce matin, je vais te ramasser. Tu as quoi? Hein? Regarde tout le monde. Moi, au moins, j'ai quand même fait mes batailles. Tu es jalouse de moi. J'ai fait. Non. Tu sais, j'ai. Toi, tu as quoi? J'étais nourri. Avec ta sale bouche, je viens se mettre dans les réseaux sociaux. Ma fille, tu n'as que ça. Mais quand est-ce que j'ai donné, j'ai donné. Il y a des gens qui m'envoient souvent l'argent, je t'ai donné. Après, la veille, tu es gentil, hein, j'avais pitié de toi. Tu viens errer ici pendant 4 jours et te nourrir et sourire ici. Parce que vous avez fait un coup avec les basses reprises à Chico. Tu dis que je suis la seule femme. Je ne suis pas une seule femme. Ah non. C'est moi qui a. Maman. Ne m'allez brosser les dents. Non. Toujours là. WhatsApp. La nuit, tu ne dors pas. Le jour, tu dors. Quand tu étais ici chez moi, j'étais où? Moi, je partais travailler. Je te trouvais la même position. Et comment tu disais que. Je disais, non, tu parles quand même. Tu veux y aller des ventes. Parce que tu m'as étouffé avec tes odeurs. Tu te lavais. Après, quand le jour que tu partais, tu ne voulais même pas partir. Fondi était où? Dis-nous, il était où? Et tu me parlais, moi. Vraiment, il saute, il rate, rate. Voilà ta copine. Ah! Quand tu es une femme. Ah, Joséphine Bayan, j'ai dit que. Regarde là, elle se contente des miettes. Elle se contente des miettes de. Maman. Hé, hey, hé! Hey. Ah, j'adore quelqu'un. C'est ta copine, c'est ta Yamsa. Mais moi, je veux la soutenir dans ces entrepreneurs-là. Dans ces soirées, je suis là pour elle. C'est tout. Elle te malmène comme. Elle, c'est ma femme, c'est mon espoir. Elle, j'ai dit que quelqu'un te malmène. Tu ne seras jamais comme elle. Tu vas rester les latérates comme les décommandes. Les soudeurs. Oui. Dans la voiture utilitaire, elle est contente. Hein? Ben, tu te rends compte que tu suis ta communauté. Babi Power. Maintenant, tu vas errer chez les écans. Tu as fini de citer, on appelle comment, Chantal Alice, ancien succès. Et tu vois, tu tournes toujours derrière les écans. Toujours. Tiens, je ne comme un mot. Mais pourquoi je ne peux pas chercher mon appartement? Où c'est ton fils? Où c'est Ngannou? Bah, mis pas de mes fesses. Lolo, tu sais, je perds même mon énergie pour te répondre. Parce que, parfois, la bouche, elle veut te parler. Parce que je te dis que tu me dépasses seulement en taille. Il n'y a que ça. Mais jusque là,
Avec 1m56, j'ai pris tout ce que tu n'auras jamais. À ton âge. Tu as quoi? Hein? L'année, c'est mon année. Je vais réaliser. En tout cas, moi, je te regarde. C'est ce que tout le monde dit. Elle va tomber, hein, comme. Elle dit qu'elle va finir. Regarde les gens avec qui elle va tomber comme Dagoba. Elle est comme Mamou. Tu as vu comment Dagoba est tombée. Maintenant, elle m'a trouvé ici avec mon époux Dagoba. Elle a pris le coup. Elle ne verra pas. Elle est tombée. Je suis avec toi. Regarde moi. Comme quelqu'un a dit mon arrière-sœur, elle était contente. Tu es comme une petite fille. Elle était contente, mon arrière-sœur. Tout, attends. Tous les décembre, elle fait tout ça. On l'a attendu un peu. Après, maintenant. Elle sera contente. Tu penses que. Quand quelqu'un fait une souris. Que tu ne devrais pas la sauver à cause de toi. Elle sera là-bas. Elle fait tout pour. C'est ça, j'aime ça, non? J'ai dit que si quelqu'un me fait une soirée et que tu as mis en quoi avec elle, que tu ne viendrais pas dans cette soirée-là, tu vas aller. On va voir le nom de gens que tu vas amener. Regarde-moi, un chien. Tu as quoi? Moi, je vais t'insulter chaque jour. Tu vas manquer quoi? À qui? Quoi? À quoi? À qui? Tu as fait quoi? Moi, je vais m'en acheter, j'ai ma tour Eiffel. Toi, tu as quoi? Tu me dépasses seulement en taille. J'ai été payé la robe, j'ai été donné de l'argent, j'ai été nourri. Tu as dormi dans les achicots ici. Elle vient parler. Tu parles à qui? Une langue du moteur. Mbap. La dernière de Bamleke. Oh, vraiment. Nangou. Pardon, prends là, tu peux la laver. Tu la mets, je mange ici. On la met là, on la lave. Parce que je n'ai jamais vu une petite Bamleke qui est bête comme ça. Regarde là où tu es. Tu es avec qui? Voilà ta soeur de Ocassier. Hein? Tous les ennemis, tout le monde doit être chez lui. Donc, elle s'est oubliée qu'elle était mariée à un éton. Hein, quoi? Vraiment, vous êtes bête. Tu es marié. Hein, petit? Et tu dis que tout le monde doit entrer dans son ennemi. Vraiment, vous savez. En tout cas, moi, j'ai une lancée. Le l'hôpital, comme j'ai dit, toi, et ma colline, là, qu'on appelle un hôpital, là. Et celui qui est d'abord, vous et moi, êtes zéro paix. Tout ça c'est fini, ils nous ont donné des cadres. Les petits manquent de respect. Pourquoi tu regardes quelqu'un devant, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien, il n'y a que la bouche. Regarde comment tu es. Oh, les hommes pour dire, c'est au Cameroun. Avec le parti Siamel. Hein, les hommes qui avaient couvert l'événement des enfants des présidents. On a vu la caméra là-bas. On t'a vu. Elle est partie se cacher dans la chambre pour faire les vidéos dans le noir. On a bu à toi. Tu fais honte à la diaspora. Tu parles de mari. Tu es marié à qui? C'est ce qu'on appelle une femme mariée, le plus de son foyer. Je parle des enfants. On a vu, si tu es là, tu as amené une seconde à l'école un jour. C'est pour dénigrer. Les gens, vous savez que vous êtes deux, il y a toi, Ngoussa. Les gens ont pitié de vous. C'est pour ça qu'on vous aide. Parce que quand tu vois Ngoussa là-bas, elle fait pitié. Quand on te voit là-bas, ta pitiation. Quand vous regardez. On progresse. Et marche. Tu as eu étudiant. On t'a promis étudiant. J'ai dit que je suis avec toi. Balata. Et que Lolo passe les petites choses que tu fais là. Tu vas voir ce qu'on appelle influenceuse et progresse d'état. Tu ne vas plus me reconnaître. Je veux te piétiner. Regarde ta soeur. Elle t'embrouille. Mon ayam soeur. Tous les années. Mon ayam soeur. Vraiment. Elle est contente là-bas. Tu évolues où? La télévision peut t'apporter quoi? La télévision de Facebook. Là où on te met les étoiles. Quelle est une chaîne de télévision, non? La prochaine fois, c'est quelqu'un qui va tomber évanoui là-bas. Regarde-moi celle-ci. Fais autre chose. Vends les habits. Ou bien tu fais une soumba. Ou dans le cuir. Même les miens, comme ça, te dépasse. Il y a quoi? Non. C'est le Cameroun.
Elle dit que... C'est... Anne, tu jettes les bêtises. Voilà tes frères, les valeureux bagatés. Les valeureux bagatés sont tout le monde te rejette. Et tu me parles de moi comme on m'a rejeté. Moi? Non. Je suis une élite quand je suis assemblée. On me salue, dis-moi. Je mange avec ce sont mes amis. Tu sais qui vit dans ma villa. Tu sais qui vit dans ma villa. Le président du tribunal. Le président du tribunal, c'est lui qui vit dans ma villa. Tu entends? Regarde-moi celle-ci. moi, vous êtes encore en train de faire des trucs. Moi, j'ai fait. Au moins, mes bâtards sont là avec moi. La grande gueule n'en a rien. Vraiment, tu fais pitié. Je te dis que ta petite misérable bouche que tu fais, ça, c'est fini. This is the end. Tu vas la fermer. L'anneau aussi est là. De comment mon gars percé. Elle a eu la dernière déchet de ma vie. Comment ceci? Tu me dépasses seulement en taille. Il n'y a que ça. Oui, tu me dépasses en quoi? Lolo, donne ton pedigree, donne-moi pas de pedigree. Oui. Mais oui, moi je suis à l'aise. Je l'appelle plus Fondja, hein, pardon. Elle peut être Fondja. Hey. Oh Mario. Hey Marco. Marie. C'est ma copine. Et il faut souvent faire attention. Hein, parce que j'entends là que c'est... Je n'ai jamais été ma copine. Hein. Elle travaillait chez Mathieu Lebrun. Elle essuyait le sol. Et j'ai toujours dit. J'ai été avec toi une fois en boîte. Tout le monde a traîné quelque part. Tu me connais où? Elle fait comme ça. Tu ne me connais pas. J'ai te regardé comme ça. Après, tu courais derrière Stéphane Fouga. Tu mangeais des têtes de poisson. Et tu lavais. Et là, moi, une poubelle comme ça, tu me peux. La gueule là va t'arrêter, nous sommes en 2024. Parce que l'outil de travail. L'outil de travail de Lolo. Mais tu sais que le circuit m'a donné, non? Les gens qui mangeaient souvent un tête de poisson, là, ils laissaient souvent un tête de poisson. Oui. Oui. D'accord, nous comptons là, non? Maman, c'est ça qu'elle mangeait. Après, elle prenait le reste, elle donnait à Freddy. Elle a fui. Tu as pris le vol pour aller au Gabon. Tu es passé par Kribi. Ben, Marabou, tu me parles, moi. Tout le monde est pareil. Moi, j'ai pris le vol. Air France. First class. Je suis fier de moi. Tout ce que j'ai eu au Cameroun, c'est la vie qui change. Donc, je t'interdis là où tu es là. Reste avec tes. Maman, elle s'est vantée. Hé, merci. Hé, vous m'avez cotisé 5 000 euros, toi aussi. Tu n'oses pas quelqu'un qui peut avoir 5 000 euros. Elle est là, ben, moi. Ok. Oh, elle a mis ça où? Elle n'a rien. Tu as 5 000 euros et qu'on dit qu'au Cameroun, il y a une famille qui t'attaque pour les problèmes. Tu n'en vois même pas. Tu vois, tu es trop bête. Tu n'en vois même pas quelque chose à cailler ces gars. Parce que tu veux être comme les autres. Au manier, il y a un doudou. Habite, t'es rien. Tu ne veux rien. J'ai 5 000 euros. J'ai cotisé 2 000 euros, maman. Hey, hey. Hey, Marco. Tu as l'argent. Et tu ne donnes pas même 1 000 euros à cailler ces gars. Elle a rien s'il veut progresser. Pour la carnet, elle est comme ça. C'est la honte. Tu sais que c'est une fille, elle est un peu dérangée. Hein? Oui. Elle est comme un enfant. Hein? Oui, oui, oui. Lolo, quand tout le monde était à ça, tu commandais l'autre. C'est moi. Tu te payes tout le temps. Elle va tout le temps commander parce que moi, je commande. Oui. Tu peux placer un moment quand on était ensemble. Hein? Où est le prince de Dubaï? Non, vas-y. Un prince va te voir, tu veux ça, ma carte que le prince aime. Elle va là, quoi? Elle va aller vivre à Dubaï. C'était quoi? Un prince arabe? Regarde-toi, le ventre, les fesses aplacalées comme le plateau de la Damawa. Ton visage est grumeux. L'air de femme. Même si tu meurs, tu ne vas rien, tu vas manquer à personne. Et tu vas faire quoi? Tu vas laisser quelle tâche ici? C'est aucune tâche. Mais il va laisser c'est tout. Obéger.
obligé d'influencer les influences. C'est-à-dire qu'elle avait été influencée, genre. Maman Lolo. Quand on était Maracan, tu vois comment j'étais toujours propre. Toujours propre. Belle. Toi, t'as vu. Tu t'es enfermé toute la journée dans la chambre. Tu commandais la nourriture, tu mangeais la chambre comme si tu appelles. Les hommes que tu as amené ceci. Tu avais l'argent, toi? Tu me parles, moi? Avant, je reste prêt, prête-moi l'argent. Tu sais, l'autre, tu as une gueule que rien. Heureusement que. Tu sais, heureusement que Dieu ne t'a quand même pas oublié. Dieu, au moins, ça donne la gueule. Oui. Ok, moi, tu veux vraiment. Oh, je ne te donne pas. T'as vu? La femme ne peut pas dire que tu ne mets plus sa photo. Mais tu mets toujours. C'est mon frère Blue. Tu ne la connais pas, elle va te porter plainte. Tu vas m'enseigner, c'est bon au Cameroun, non? Tu as qui? Parce qu'elle ose appeler ma chambre. Elle a fait du quoi? Ancien succès. Toi alors, hein, tu es vraiment un ancien succès. Du Boza. Il y a quelqu'un qui a Boza dans les pays. Tu as vu, tu as tes copines. Elles sont Oriz. Avec un cap. Voilà, il doit là. Regarde là où tu vas, tu parles de Yakuba. Ngoumou. Tu vois, là où je passe, tu passes. Autant. Ouais, vite fait, bien fait. Il est jeté dehors. Elle est certaine. Tu vas sortir avec lui. Non. L'homme que je couche, il ne peut même pas. Il ne peut pas te regarder. Très bien. Regarde, tout ce que tu as appris, c'est lui. Les restes de fleurs de lui, les restes de la veuve joyeuse. C'est tout. Mais, nuance, je n'ai jamais couché avec, comment on appelle, des commandes. Mais quand même, c'est là-bas que tu es. T'as qui, t'as tu vois comment je fais les points, il n'y a pas des amis. Tu me vois courir des gens. Je ne cours pas des gens. Oui. Je ne suis rien, je ne suis pauvre. Mais je t'aide quand même. Hein, je voulais, hein, la veuve, pardon, c'est juste ici. Envoie-moi des pommes de terre. Quand Lise Goulet va arriver, comme ça, je veux se faire sauter. Moi, je t'ai quand même aidé. Toi, tu penses que je m'ai aidé un jour à pas insulter, à pas rabaisser. Tu sais, quand tu rabaisses les gens, parce qu'on va regarder la veuve joyeuse, elle a son bon galop. Elle boit son petit vin. Elle a ses cigarettes. Une femme qui a même peur, oui, elle a même peur. On tient honte de sortir dans la journée. Tu parles, oui, là-bas, à Rennes, oui. Elle a honte. Parce qu'elle dans sa tête, elle est une grande influence que tout le monde la connaît. Qui te connaît? Le nom, on me connaît plus que toi. Qui te connaît? Tu parles à qui? Qui a créé ta page? Hein? Moi, ça t'a chassé. Donc, le nom, tu penses vraiment que tu es connu plus que la veuve joyeuse. Avant d'arriver ici, j'avais mon bar. Les taxis, les gens me connaissent. Quand tu arrives au pays, au contraire, tu as volé l'argent à ta mère. Pour je ne sais même pas là où tu as réussi à voyager dans les objets. Tout le monde n'est pas pareil. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Quand on voit ma vie, on te voit. Tu es une pourriture. Même ton langage ordurier. Tu n'as rien dit que vous êtes là. Dans la rue. Voilà. On appelle un vodka. Libéré. Libéré. Regarde-toi. Moi, j'ai quand même aimé que quand tu sors comme ça, tu sors avec un nouveau beau mec. Tu nous montres un bon moment. Mais on voit seulement. Les blancs sont finis dehors. Tout ce que tu as trouvé, c'est de comment amour. Regarde-toi. Comment peut-on te respecter? Hein? De comment amour est petit comme ça. Toi, tu es dans l'état. Regarde-toi. Mais moi, ici, tu es fier de lui. Regarde-toi. Hein? Il n'y a que les réseaux sociaux camerounais. Les Louloumaniens vont se moquer d'elle. Elles vont se moquer d'elle. Elle voit quoi? Tu as vu le sac. Tu peux porter. Le sac que madame nous dit qu'il avait donné, le sac Chanel, c'est ce que je portais tous les jours. Pour montrer que tu es quelqu'un. Tu vois que moi j'ai besoin de porter. Vraiment pas ici, je m'en fous. J'ai décidé qu'en 2024, la récréation est terminée. Va diminuer un peu les seins. Regarde là. Le gars, tu peux te tourner. Avec les brûlés partout. Les fesses plates comme le plateau de la dame. Ton visage est grumeux. On mange la beauté. On mange la beauté. Quelqu'un qui a faim, mendiante. J'étais nourrie. J'étais habillée. Tu donnes l'argent. Toi, viens t'asseoir et tu dis ce que tu as fait pour moi. Ma chantal nourrie. Là, de comme amour.
Sans compter le reste des bêtises qui te tiennent la main, mais tu as la gueule. Tu n'as que ça, vous êtes là. Mais je vais t'éteindre ça cette année. Tu as dit que l'année si tu vas faire des projets. Ah, mon Dieu. Donc, c'est cette année que tu vas faire des projets. Depuis combien de temps avec? Mes projets sont déjà avancés. Je suis madame de Grimaud. Quand on va te dénoncer les gens qui doivent partir, je dis que tu es la première personne que je vais dénoncer. Une personne qui a eu les papiers parce que les papiers funéraires qu'on peut retirer à n'importe quel moment, parle. J'ai mes 10 ans. Je peux être française quand je veux. Mais je ne veux pas. Je m'en fous. Entre toi et moi ici en France, qui on peut chasser? Je dis que entre toi et moi, qui on peut chasser? Parlons peu. Parlons peu. Le nom pipi, entre toi et moi. Je dis que toi, tu parles. Il est copesto. Je dis qu'il est copesto. Comment tu as cherché un peu une maison parce que là-bas, on va te chasser là-bas de toi. Tu peux payer. Hein? Non, le bas était en train de dire, monte-nous la boîte à lettres. On va voir le nom que c'est. Regarde-moi celui-ci. Non. Le manque de respect à cette juridique, cette lienton, ne rate. Tu parles à qui? Je vais te montrer qui je suis. Tu me dépasses seulement en taille. En dehors de ça, il n'y a rien. Parce que là, j'ai tout fait dans ma vie. Là où j'ai dormi, je n'ai pas dormi. Moi, je n'ai pas Boza. Regarde, une Bozaïeuse comme toi me parle. T'es une Bozaïeuse. Vous les petites filles, Bozaïeuses aussi, elles ont réussi. Toi, tu es là à Facebook. Lolo, tu dis que tu étais avec les gens, tu as fait une finance. Lolo, les gens même. Moi, quand je sors avec, même si je sors avec ma tête comme ça. Moi, je ne cache pas. Je ne cache pas. Dans la vie, toi, tu te caches. Il faut la voir. Bon, 18e, hein, les copines t'attendent là pour te taper. Si elles savaient, les gens, on te tapait même. Parce qu'on m'a supplié que la vie, j'ai dit que ouais, laissez-la. On a pris tes perruques. Va, on te voit encore acheter le jeu. On t'a arrêté pour une tortue de 50 euros. Et tu me parles, tu as appris comment arrêter. Tu me connais? Je dis que toi et moi, c'est une personne. L'histoire sans fin. Tu ne me connais pas très bien. L'année, je veux te faire chier. Okay. Tu vas dire que non. Tu ne me connais pas très bien. Moi, j'ai dit, c'est bien qui ça? Les gens, les réseaux sociaux, j'ai à quoi? Regarde avec qui tu traînes. Vive les écailles. Merci. Regarde ta photo. La femme de Paul de Zibia dit qu'elle ne veut plus que tu mets la photo de son mari dans ta parle, mais tu mets toujours. Oh, mes frères, quand, oh, je vous adore. Regarde-toi. Quelqu'un rentre carré. On est là le dimanche, non? Elle rentre aujourd'hui parce que je crois qu'elle a une soirée. Oui, mais après nous, on va aller à l'aéroport attendre Namungo. Non, non, ils vont venir si j'ai attendu. On n'a pas fait le comité d'accueil. Non, on va aller faire le comité d'accueil ici. Ok. On va rentrer directement. Ma fille va lâcher. Parce qu'elle n'était pas séparée. Donc, elle va bien ce mois. Nous, on va aller chercher nos filtres après. Mm-hmm. On fait notre petit plateau. On se regarde. On va faire notre plateau. On aura fait notre plateau. Oh, yo. On va manger là-bas, non? Est-ce que tu as vu, c'était ouvert ou pas? Non, moi j'étais chez chez. Après, on va faire une machine, on va aller au garde. Si à 18, je paye. On mange bien. On se plaisir. Je venais d'avoir la patate, tu sais. Je te lâche pendant un yota. Laisse là. Je ne entre toi et moi, je suis une blogueuse, une fiancée d'État. On me connaît sans Facebook, même avant Facebook. Moi, on m'a mis. Moi, on m'a mis à Facebook pour m'insulter gratuitement. Mais toi, tu es venu pour insulter qui? Ton arrière sœur qui se joue de toi, qui s'en fout de toi. Tu as dit, Bob. Tu sais, qui te connaît? Valérie Boningoué est connu. Valérie Boningoué est connu. Et je vais reprendre mon nom de scène là. Je vais reprendre Valérie. Parce qu'Elisabeth, ça fait un peu trop cérémonieux. J'entends. Mbap. On nous a. Il a dit que tu es mon bâle, je l'aime pas ici. Regarde-moi ça. Il y a certains là que. Nous autres, tu es qui? Il y a certains là que je n'ai pas envie. Nous autres, c'est signé que c'est moi qui t'ai chassé. J'ai moi qui ai mis fin. Tu m'as appelé matin, midi, soir. J'étais bloqué partout. J'étais signé que c'est moi qui te chasse. Parce que tu as dit là, il dit je ne l'ai chassé pas en Fondia, mais tu pleures en Fondia. Mm. Maman, Andy, 15 ans de vie commune. Mm. Une femme vient chez toi. Mm. On ne vient pas les choses. On embrasse ton mari.
Mais parle là où les couilles, là où nous les tiens là-bas. Oui, oui. Tu vas mourir avec le nom de ton bien, Patricia, là. Moi, je m'appelle Bilo et Foy Elisabeth. Veuve de Raymond. Eh oui, c'est qui dans la case de ce jouet? Je suis une veuve française. Toi, tu es veuve de qui? Je suis une veuve française. Même si je me dis ça, je suis protégée par la loi. Tu vas avec qui pour me chasser ici? Toi, tu n'as rien. Donc, ferme-la. Ce n'est pas ton labin. Tu peux. Non, non. Comme tu es belle femme. Je m'habille, ma petite tâche, tu t'habilles. Non, même les trucs des chimantènes, tu t'habilles quoi? Tu connais t'habiller toi? Hein? Une femme qui s'assoit seulement là, depuis des années. Tout le monde progresse. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Avec la cuisine témoin. Welcome to the kitchen, c'est tout. Tu sais quoi préparer? Tu sais tenir une maison? Elisabeth, c'est ta grande soeur, laisse-la! C'est ma grande soeur quoi? Mais parce que c'est ma grande soeur qu'il faut qu'elle me manque de respect. Elle est qui? Mais c'est ta grande soeur par amour? Par quoi? Par respect? Tu la laisses tranquille? Aucun respect, aucun amour. Laisse-la. Non, je ne la laisse pas. Elle mérite. J'ai décidé que j'allais m'aider. C'est qui? Même avec les mains, nous n'aurons pas. Tu ne peux rien me faire. Tu veux t'arrêter quelque part, tu vas dire. Elle n'a pas. Quand je fais les directs, tu ne connais pas ce qui se passe ici. Tu vas partir, je ne réponds pas. C'est ta grande soeur. La grande soeur de qui? Il y a eu 5 grandes soeurs qui sont montées. Donc j'ai mes grandes soeurs qui sont montées, maintenant au paradis. Elle n'est pas ma grande soeur, elle est quoi? C'est quoi? Parfois, je reste ici, j'oublie même celle-là. C'est un vermine. Moi, je laisse quand arrêter, je ne parle plus. Non, écoute, je n'aime pas ça. Donc, tu me laisses finir mon direct, s'il te plaît. Oui, merci. Maman, quand elle va entrer dans son... Là où elle est chercher l'argent à Londres, elle va rentrer. Tu vas la voir dans la soirée aujourd'hui. Toi, tu seras là avec moi ici. On va les guetter comme ça. Et on voit. Elle peut aller voir la soirée. Oh, la télé, c'est elle. Au gourou. C'est là-bas. Putain. Tu penses que moi je vais entrer là-bas dans vos Sud-Africains? Non, il y a un problème. C'est une invitation. Au gourou. Non, c'est le petit tout là. Si je te montre, elle a fait un. Tu penses que moi, au lieu que je me bats, au lieu que je demande aux gens de cotiser pour moi pour aller m'asseoir au Fouquet ou au Riz. On cotise encore comment? Tu crois que moi, je n'ai pas besoin? Je n'ai même pas besoin. Tu crois que moi, je m'avais dansé dans les endroits comme ça? On a tout ça quoi. C'est dans les zones sinueuses là. On appelle ça. Non, c'est Nubel, ce n'est pas le côté. Tu me vois, moi? Là, j'ai fait mon ventre là. J'essaie mon ventre là pour aller où? Là-bas? Ouais, les mêmes choses. C'est des temps, les Africains m'ont trop vu. 2 ans avant que je mette encore les pieds dans les Anglo d'Africains. La seule soirée que j'irai un jour, si je suis en vie, ça serait chez un camp. C'est tout. Ah. Eh, donne-moi pas mal. Regarde. Nono. Anti. À cœur ouvert. Voilà le nom. Elle fait tout pour rencontrer son idine qu'un camp. Je vais applaudir ce soir. Là, donc. Eux, ils ont regardé ça depuis. Je te dis. Attends, elle va regarder son édit aujourd'hui. Tu fais pitié à son fond. Tu vois comment je vais aller dans les endroits comme ça. Je n'ai même pas besoin. Regarde. C'est la soirée de qui? Nubel. Attends, je lis. À corps ouvert. Dimanche. Avec quoi? Tata Lolo. Mouf, tu peux être d'accord. De qui? Attends, vous donnez fesses.
C'est la seule. Il n'y a pas d'anniversaire. Parce que les autres, c'est l'anniversaire. Hein. Parce que c'est l'anniversaire de Guru. C'est Guru. Mais tu vois, on ne la considère même pas. Regarde, parce que les autres ont le Guru, c'est Guru. Soulé de Paris. Mais pourquoi pas soulé. Attends. Tu vois, moi. Toi, tu rêves d'aller voir quelqu'un dans l'anniversaire que vous payez. Tu vois, comme moi. Comment on m'a vu là? C'est quelqu'un. On m'a vu. On appelle ça comment? Militaire. Tu vois, comme moi, je vais aller là. C'est fini. On ne va plus jamais se croiser. Et oui. C'est sur la femme du plan. Je retourne avec mes plans. Bêta. Qui? Vous vivez ici comme si. On dirait qu'elle ne connaisse pas là où on cherche. Attends. Toujours africain. J'ai dit. Pipi. Que moi. Moi, je vais voir. Je vais voir. Je vais regarder. Je regarde moi ça. Tu fais tout. Pourquoi tu. Parce que les autres ont l'anniversaire. Parce que l'anniversaire, ce gourou. Tu n'as même pas l'anniversaire parce que. Tu vois. Tu. Tu vas voir qu'un camp jeudi, les ayam, ça va s'embrasser. Il faut immortaliser la photo là. Mais il n'y a pas un goût. Il a dit le faux là. Voilà mon frère que tu as mis. Voilà, tu es parti en commettre. Le journaliste qui est pour Desibia. Bien posé à l'hôtel Pullman en Côte d'Ivoire pour la couverture de la CAN. C'est elle ou c'est lui? Maman, elle a voilà mon frère ici. C'est mon frère, pour dire bien, il est marié. Je vais nous foutre de la gueule. Attends, c'est qui ici? C'est lui qui est moi. Tu connais un Anaconda où? Tu le connais? C'est ça, un Camerounais qui meurt là. Histoire de famille. L'Ivoirien peut venir mettre les photos. Bah. Attends. Ah. On dit que à cœur ouvert Soulé. Soulé de Paris. Celui qui avait parlé du deuil de Bob Lee. Donc, elle va se lever pour aller voir. Elle est en Côte d'Ivoire maintenant. La team. Elle va dans la Côte d'Ivoire. Elle a mis l'avion. Elle a dit qu'elle va aller au deuxième tour. Et. Donc, tu laisses seulement encore de mettre aussi. Tu vois, la différence, toi et moi, c'est ça. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Parce que quand tu vois la page de l'eau, ou même de l'eau, elle a fait un direct, elle a demandé à ton fils que tu nous abandonnes comment, nous, les grandes affaires. Elle a demandé. Ça reste là-bas. Oui. Moi, je ne connais pas la même chose. Je ne veux pas entendre mon nom, pas moi. On ne l'a même pas reconnu. Je te dis quelque chose. Maintenant qu'elle demande. Elle va payer son bien. Pitolo, la raclure des murs. Voilà. Tu fais pitié. Tu vois, on n'est pas pareil. Toi, tu fais tout. Il faut y monter. Quand elle va embrasser quelqu'un, il faut bien m'envoyer la photo là. Parce que c'est la même soirée, sauf que pour quelqu'un comme c'est. Ils sont invités à l'anniversaire de Guru. Non, c'est là, tout est fait. On va manger ce soir. On va voir après. Couchez-vous! Regarde. On lui a dit que ouais, mais voilà. Et là, moi, je m'avais mangé là-bas la tour Eiffel. Je m'en vais peut-être au Fouquet. Comme le Fouquet est devenu un peu moins cher pour les Africains, bien sûr. Eh, non. Tu pars là où. En Nouvelle. Dans les zones industrielles, les soirées, dans les zones industrielles. Et le lobby. Et dans les lobbies. Tu vois que tu. Quand vous m'avez dit, c'est fini. Je vais passer et être dans les angles des blancs. Dans les. Sauf que quand il a été invité, Gossa a été invité. Mais toi, tu vas voir sous les. Elle va aller voir que les Nigériens. Et on nous faut un lobby. Ouais! Elle va boire son lit. Ah, oh, j'adore quelqu'un. Je ne vais pas boire son lit dans le jour de son ayamse. Il faut immortaliser la photo. Tu veux me dire ça d'abord? Tu enlèves d'abord les sandales, tu soulèves le pas. Mais j'ai vois que quand tu vas fumer dehors, regarde très bien. Parce que tu fumes de banque qui sont un peu.
Ouais. 2024, c'est mon ami. Je vous souviens sur Facebook. Vraiment. Elle va avoir son idole aujourd'hui. On m'a invité une fois. C'est fini. Je ne peux plus vous voir. Quand on va me revoir, c'est la soirée de quelqu'un. C'est tout. Ma soeur, tu vas me tuer. Qui? Moi, tuer, là où on m'a attendu mon appel, c'est que j'attends que ça plaque. Quoi? Faut tenir avec qui? Tu vas me tuer. Moi, je sais préparer. Même dans la restaurant, je ne parle pas. On va les poissons briser ici. C'est fini avec qui? Vous allez chercher la Warriors, même me croiser, vous allez me croiser que sur les champs de l'Ivoire. Ou à Monaco. Vous allez conquérir Monaco. Cannes, Monaco. Norvège, je voyage partout. Mathieu, il a dit que l'eau a monté, tu soulèves le pantalon avant de traverser le rail pour arriver chez vous. Et l'eau, tu soulèves le pantalon. Là-bas, tu appelles le Hitch. Le pont. Hitch qui ne vient pas. Il dit que non, parce que c'est une zone industrielle, il n'y a pas d'adresse. Et que tu es loin là-bas derrière. Il faut marcher pour les taxis. Maman, toi, tu me mets du patron. Et vous croyez que moi. C'est fini. C'est fini. L'histoire de Tchédak. Ceux qui ont vu la première fois, ils m'avaient vu dans les deux soirées. Plus jamais. Tout le monde parle de mon ventre. Si vous montrez ma cicatrice. C'est quoi? C'est obligé? Avant, j'étais comment? J'étais grosse. J'étais pas grosse? Je veux reprendre mon corps. Je suis content. Hein, non? Hein? Le ventre, c'est mon ventre. Donc, je vais m'habiller pour vous montrer comment je m'habille. Devant les de qui? L'autre, tu vas me voir. Dans les yachts. Ok. Hey. Destination? Ouais. Australie? Avec les kangourous. Allez voir les kangourous en Australie. Elle est rêve d'aller. Elle force pour aller à Nubel. Putain de bordel. C'est quand même marrant. Dans les années, tu sais là-bas. La salle est petite. C'est comme ici, là. On danse là. Après la tour Eiffel, c'est à Côte d'Ivoire. Avec les 5000 euros qu'elle a, elle peut. Elle n'a pas des amis, elle voit rien. C'est pour les BG. Nous, on est à Souffroin. On est loin d'Abidjan. Non. Si. Il y a d'abord Fleur de Lille qui a d'abord parlé. Elle a dit. Oui, parce que Fleur de Lille a dit que peut-être que sur les villes, elle peut venir en deuxième mi-temps, elle ne peut pas aller avant. Elle a répété ce que Fleur de Lille a dit. C'est pirate. Tu as dit que 2024, elle a piraté ton mot. Fleur de Lille, elle n'est pas deuxième mi-temps. Elle est pirate. Dis-le, hein, ça c'est mon ami. Qui va comment vous essayer, on va plus me voir. C'est fini. C'est vrai. Fleur pas en marche, c'est pas équipé. Je connais l'histoire, moi j'avais le fou. Je connais l'histoire, avec, elle a invité avec Aïcha Kamouz. Et puis, elle a été mal. Moi, on m'a proposé si j'ai fait même le taxi. Donc, j'avais refusé. Le taxi, même le hitch. Je m'a proposé si j'ai refusé. Et taxi, c'est là. Oui, j'ai refusé. Ah, oui. Moi, avec les Africains, là, ils me font peur. Tu vas être mon banc. Ici à Facebook. Il y a que les gens qui ont eu la chance de voir les fiancés ont bougé. Deux fois. Une fois. Deux. Une. Deux. Ouais, la maison c'est. Donc c'est ce que j'avais. Donc c'est ce que j'avais à te dire parce que. Fait qu'il lâche même. Ça ne sert à rien. Tu vas, voilà ta soeur, elle dit que je te laisse. Non, je te laisse. Je sais que tu as compris. Va, je suis là aujourd'hui. Vous regardez les trois grandes influenceuses. Elle fait tout pour qu'on évite. Les autres, elles s'écrivent pour ce gourou ou quoi. Un anniversaire. Avec leur photo. Ta part, c'est saoulé. Nouvelle 99. Il l'obit. Et tu vois la pièce. Dans les zones industrielles. Après le Russie. Maman. L'hiver arrive. On a dit que le froid sort de Russie. Mais c'est vrai. Là-bas, là, chez les gens, là, il a fait caractère en Suède.
Il a fait moins 49 ans. Ah bon? Le femme dit aujourd'hui, demain, après, ça sera grave. Moins 4, lundi, demain. Tu savais pas, moi, hein? Moins 4 demain. À partir de demain jusqu'à la fin de la semaine, on sera réussi. Dis-lui, en partant en Nouvelle là-bas, comment ils connaissent même les chapeaux avec les gants là, des fontenets. Gars de fontenets, gars de centenets. Tu as arrêté? Non, pourquoi? Non, la maman là qui est morte là, qui mettait le gars, ça peut être pas de fontenets. C'est bien. La maman de Miss là. Dis-lui, en partant, peut-être qu'elle n'oublie pas les gants qui arrivent, les mitaines. Qu'elle ne prenne pas les mitaines, elle prenne les gants qui arrivent ici. Parce qu'il va faire froid aujourd'hui, hein. Le froid sort d'en haut. Suède. Moins 49. Déjà, mon grand déjà avait ta chance. Déjà, mon vie deux fois dans les soirées africaines, c'est bon. Maintenant, tu vas aller chez les Blancs. On n'est pas en Afrique ici. Les gens oublient qu'on n'est pas en Afrique. On est en France. Hein? Chez les Blancs, vous avez oublié. Qui? C'est fini. On m'a dit que c'était un temps chez les Noirs. Maintenant, je m'en vais ailleurs. Mais ça m'a fait plaisir. Hein? Aujourd'hui, elle serait contente. Elle va voir son idole. Et je dis, ayop, ayop, ayop. Lolo va rencontrer son idole. Et elle fait tout. Elle va aller voir quelqu'un. La star. La star de la diaspora. Et pourquoi chanter ça? Il y a diaspora. Alors maintenant, on dit. Les influenceurs de la diaspora, tiens. Opportunité, vas-y, gratte. Moi, je ne gratte plus. Non, je vois, mais je me repousse parce que après, Marie. Tu veux gratter le reste après. Moi, le machin, c'est que j'ai gratté, que j'ai eu beaucoup d'argent. 25 euros. Je n'ai jamais gratté de 25 euros au jeu. Ah bon? Le plus grand, 25. Moi, je suis là que. Comme je vois qu'Elam, c'est toi, on gratte pas. J'ai dit que ça, là, on va se gratter ça. Peut-être que. Donc, pipi. Pipi va voir son idole aujourd'hui. Tu vois, tu fais tout pour être confiant de la vie à Yamser. Tu vois, elle fait tout pour être vu. Ouais, tu n'auras même pas honte. Tu vois, tu vois, tu es seul. Tu vois, si c'est moi, je ne bouge pas. Bah tu fais tout. Une personne a couvert l'autre. Ça veut dire que tu es tué. C'est toujours quelqu'un qui sera tué. Après, quand elle est invitée à la trompette, elle sera assise au Japon. Une star à la fois, une star à la fois, parce que tu seras couverte. Non, elle va voir ses deux patrons aujourd'hui. Elle va voir, comment on appelle un gospel. Mais on la verra pas. On verra les deux sœurs, les deux copines qui sont enseignées ensemble, elle, on la verra pas. Mais si c'est moi, je pense que c'est vraiment. Ta appréciation, moi, la vraie joyeuse. On m'avait vu deux fois, c'est bon. C'est non, quoi? On est en France ou en Afrique? Les gens sortent, ils s'assoient là où on peut les voir. Toujours dans les canapés rouges. Toujours dans. C'est quoi? C'est vous avez pas venir rester dans les trucs des noirs. C'est fleur, allez un peu dans les trucs des blancs, non? C'est quand même marrant, hein? Toujours les soirées, les. Vous m'avez vu deux fois, c'est fini. Mais c'est quand même marrant, hein? Parfois, je me demande que c'est bien comme ici. Fleur, elle sera sous baptême. Oui, c'est elle qui m'a débarrassé. Parce que les deux, c'est d'abord Ngossa qu'on a invité. Mais après, elle a pris sa yamseur. Elle a pris sa yamseur, que quand. Voilà. Et elle est fausse. Elle va débarrasser les tables. Comme d'habitude. On va la nettoyer. Elle sera le paillasson, comme tu dis. Elle ouais. Sera le paillasson. Hein. Elle me fait pitié. Moi, je ne partirai pas. Pitié à 100 fois. Je ne partirai pas. Il n'y a pas sa place là-bas. Il y a deux stars, ça suffit. Elle a fait quoi là-bas? Toujours se rechercher à raconter, mais à raconter, ça ne va pas le faire. On appelle ça place to be. Qui? Moi? C'est bon. Oh, que la fatigue. Jamais. Moi, dans les endroits là. Si tu vois là-bas, où c'est la marque? Qui? Comme tu as dit.
Ou c'est à pleine Saint-Denis, ou c'est quoi? Tu sais pourquoi je t'aime, Elisabeth? Parce que tu donnes les bons. Mais explique-le ce qu'on appelle Fakir. Fakir, c'est le là-bas. Hein? Oui, mais c'est le là-bas. Explique-leur. Hein? Parce que tu as dit, tu ne peux pas être le Fakir. Et tout le monde sait pas ce qu'on appelle Fakir. C'est pour ça que je t'aime. Tu as les bons mots. Fakir, c'est le là-bas. Débarrasser le tableau, nettoyer le chaussure, machin, machin. Là-bas. Fakir. Oui, mais oui, je vais sortir aussi. Je serai l'anniversaire de Wallis. C'est là qu'on va, comme on voit. Hein? L'anniversaire de Wallis, qui? J'aime. Même croisé, mais dans un métro, c'est fini. Ouais, d'abord, je vais d'abord quitter Paris bientôt. Là. Donc voilà quoi. Il m'a même changé ma vie. Je ne suis pas encore fini. Ah, la télévision, les projets. C'est maintenant que je construis. Mmh? Il va te montrer mon ampoule rouge, comme vous voulez voir mon ampoule rouge. Comme vous voulez voir mes pieds, ma cicatrice qui est ici. Maman, on commence la vie à 60 ans. Bientôt. Maman. Non, parce que les gens ne la voient pas. Est-ce que nous laissons une vieille fille? Hein? Attacher les cordes! Oui. Non, les cordes là-même. Pardon, je ferme ma bouche. Eh, Otam. Quand tu as commencé tes choses, là, je... Otam. Laisse-moi, Otam. J'ai fini, je l'ai jeté dehors. Tu peux sortir avec lui? Tu peux sortir avec toi? Je vraiment celle-ci. Mbap. J'ai joué avec lui un jour. Toi, tu suppliais. Ça, tu es mieux au temps. Tu ne laissais pas en fond de la maison. Tu le laisses suivre ici dans le 17e. Il t'attachait, il te les 3 jours. Après, tu disais, mais pourquoi tu peux rentrer chez toi? Non, ce n'est pas obligé que tu restes avec moi. Moi, parce qu'on t'a cherché ce papier. Parce que lui, il a beau ça. Oui, il est venu par l'Italie dans Pendouza. C'est Sébastien, il s'appelle Sébastien. J'ai ramassé vite fait, bien fait, parce que moi j'ai dit oui. Quand je mangeais ma nourriture chez moi, on ne mangeait pas. Hmm? 3 jours. Oui, 3 jours. Non, pas l'attaché et tout. Quand elle venait, hein, elle voulait même faire la femme. Maman. Donc, en Bosa, elle vient trouver une femme qui est là sans papier. Pour faire quoi avec toi? Que tu allais venir pour chercher. Oui. Il a d'abord fait la femme avec qu'on appelle Nathalie. Il a une belle petite fille. Et après, elle est partie chez Ouma. Ouma, que nous avons envoyé les photos. Mmh. Les photos des. Mmh? Oui, c'est comme ça. Comme ça. Bah, oui, c'est comme ça, non. Donc, tu vois un gars qui vient chercher la vie. Tu n'as pas de papier même pour lui donner. Il va rester avec toi. Voilà, voilà, pas un fournier qui l'a suivi. Il est gentil, hein, ce garçon. Non, le problème, c'est que. Pas un projet un peu zo, on appelle ça. Ce sont les. Il est un peu plus tard, lui. Et quand nous adore les choses comme ça, parce que nous l'avons. Il est une femme capable de. Avant qu'elle juste la tape. Oui, elle est assez extraordinaire, oui. Elle est sadomaso, oui. Il doit adore ça. Là, ce n'est pas comme moi, comme ça, que je l'ai joué. Non, il faut. Il faut la brutaliser. Il faut la brutaliser parce que lui aussi, il est quelqu'un comme ça. C'est nous aussi. Non, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté. Mais tous les gens mangent. Je dis que lui, il est salaud aussi. Non, lui, il est comme ça. Stéphane est brutal de nature. Et elle aussi, elle aime ça. Il fallait la taper. Elle pleure. Oui, elle aime, oui. Il fallait la voir quoi. Eh, les gens voient de ça, les cartes, tellement de ça. Et puis elle dit, hein, la fois, je n'ai jamais publié. Quoi? Tu m'as jamais publié, hein? Tu es sûr? La femme qui est en grillage, là, c'est qui? Ce n'est pas moi. Mais moi, je m'en fous, j'ai accepté. Mais t'as pas un écartement. 35 degrés. Tu vois les deux tout. Elle a totalement quoi? Elle fait sa part, elle est devenue célèbre. Elle a des villas là, tout. Mais toi, rien que dans la racaillerie, dans le. Eh! Ah, tiens! Fitiation, Forona. Tu es maudite. Mais c'est vrai. Parce que la même chose, c'est la même position que Nathalie Nkoua avait. Elle pour lui, c'est la même Nathalie Nkoua pour elle. Hein? Facebook, c'est. Elle était encore toute jeune, toute mince. Je t'ai dit que. C'est que Nathalie Nkoua a eu. Voilà, il y a une femme qui a eu ça. Position valable. Ouais. La soumission que tu veux voir. Pareil. Voilà, Nathalie Nkoua, aujourd'hui, nous on a tout vu. Ici, à Facebook. Bien ici, là. Ouais. Hein? Est-ce que ton fils est facile? C'était grave.
Il n'y a que ta part qui va te. Alors que. Parce que c'est les mêmes positions avec Nathalie, quoi. Pourquoi toi. Elle devait être serrée par le il y a l'étoile de chacun. Non, pour moi, c'est que Nathalie, quoi. Elle. Tu sais pas, faut savoir c'était. Tu sais pas que moi, même si mes vidéos, mes photos sortent ici à Facebook, mais moi, je vois, je passe. Avant. Je m'en fous. Parce qu'il faut accepter. Nathalie, qu'on n'a jamais parlé. Bah oui. Oui. Et elle est. Ah, on m'a fait ceci. On t'a fait quoi? Février, mars, ça arrive bientôt. Tu vas entendre que. Tu vas entendre que. Oui, tu vas entendre que. On m'a publié, mon. Là, Nathalie, quoi, qui avait sa part là-bas? Maman. Ni vu, ni connu. En plein Covid, on a fêté un billet d'un. On a dit que l'a déposé à un. Toi, tu es là. Tu es là avec moi ici. Hein? Alors, j'allais tuer quoi? Maman? Sortez les vidéos que vous avez. Tu as vu les vidéos sont. Je suis bête dedans. Oh. Pardon, je ne veux pas voir. Parce que c'est pour moi, c'est que de la vie. Moi, j'étais publié. Tu as été publié. Nous tous, on était publié. Mmh. Mais la seule. Ouais, ma part. Hein. Et comme j'avais un très beau corps. Donc, c'est pour ça. Mais la seule personne qui pleure, c'est toi. Mais quand même, tu n'as pas le site, tu es quand même quelque chose. Hein. Tu dois pleurer. Hein. La raison qui est. Au cas où on t'a pris en main, pourquoi on a fait pour Nathalie, quoi? Tiens, tu là, oh dame, Fonja. Regarde le petit raté, raté que tu vas prendre. On appelle des gomamou. Le mongri avec ses dents pourries. Tu es venu en un racaille. Tu me peux? Demande le temps. Qui je suis? Autoritaire, vite fait, bien fait. Ah, ça? Avec mon ami, on ne s'amuse pas. Oui, mais le lait soumise, hein. Quand j'étais avec elle, elle me dit, ouais, tu veux tout le temps commander. J'ai dit, Lolo, c'est moi qui commande. Tu peux commander, toi. Tu sais que tu te plais. Dis-moi, elle me plaît. Les gens me connaissent. Moi, je suis autoritaire. Si je me tais, c'est que j'ai envie que ça ne monte pas plus haut. Mais sinon, je suis autoritaire. C'est comme ça. C'est pas autrement. Je me moi, j'ai ma façon de faire avec les gens. Je me tais parce que je ne veux pas que ça monte parce qu'à mon amitié, oui, c'est comme ça. Famille, on se respecte. Mais avec un nom. Non, l'autre, Lolo est soumise. Il n'y a pas de place. Elle adore entendre les titres. Elle est comme les boulots. Tu donnes ma voiture. Je suis sur toi. Oui, le nom, tu sais, elle est comme les boulots. Le nom adore les titres parce que chez nous, on adore les titres. C'est-à-dire que la famille de telle. Elle adore ça. Hein? Hein? Machin truc. Elle va, ça c'est mouf. Tu me connais? Vraiment. Tu es venu à Facebook. Tu m'as trouvé. Je veux, il fallait voir comment elle collait pour ça. Et ça finissait sa 5 ans. Hey! Des bagarres, maman. Dès qu'ils sont séparés. Oh, mais qu'elle finit avec Ngosa qui l'a chassé, non? Non. Elle commence à insulter Flo pour rien. Puisqu'elle dit aujourd'hui que. Tu veux pas que tu as l'ancienne page de la vidéo. Tu m'as trouvé à mettre. Moi, je viens de utiliser ma page, je viens d'avoir ma page, je m'en fous. Tu crois que tu es plus connu que moi, tu te détruis pour toi. Détruis pour toi. Tu as quoi? Quand tu étais avec moi, c'est moi qui te nourrissais. Les pommes de terre, ça. Toi, tu peux te dire que tu vas faire quelque chose. Même un crayon pour te assurer. Moi, je vais envoyer mon argent. Combien de fois? Alors que tu as une grande team. Et tu me parles, moi, à Chico, la femme la plus sale. Oui, je suis la plus sale. Jésus est né dans un détail. Jésus n'est pas né là où la propriété. La maison, c'est aussi les gens qui sont ici. Ils dorment partout, ils prennent partout. Le matelas gonflé, tout le monde est venu. Hein. Toi, tu as quoi? Tu commandes, regarde ce que tu fais. Tu es tellement idiot. Parce que Fleur de Lille a dit, tu fais tout. Tu fais tout pour être la soirée sous les mannes. C'est celui qui va présenter, c'est le présentateur de la soirée. C'est celui qui va présenter la soirée. Tu fais tout pour être là-bas. Ouais, c'est le commandement. Oui, regarde-moi. Moi, je suis une dure. Je ne rabaisse pas ça. Nous sommes invités ou pas. Allez faire quoi chez les noirs là-bas. Dans les endroits, les chinois, on appelle les noirs. On aime bien en Europe, bon sang. C'est quoi avec votre chose là? Tu es dans les noirs de quoi? C'est maintenant qu'on se rend compte qu'on aime les noirs. Il faut rester dans l'Afrique du Nord. Vous croyez que moi je vais vous soutenir? Vous allez rester dans vos choses là. Moi je retourne là où j'ai commencé, ce que je venais faire ici. C'est tout, peu importe. Je vais avoir ça là. Je voulais qu'on enlève, on a enlevé. Vous et moi, c'est là où on s'arrête. Halte. Vous et moi, c'est halte.
prochaine fois qu'on va me voir, c'est l'anniversaire de Wallis. Qu'est-ce qu'il y aura? Plein de noirs. Hé, je vais me vanter jusqu'à. Non, je vais me vanter. Regarde-toi. Tu fais tout pour être. Tu vas voir ton idole. Naïm, 5 ans comme aujourd'hui. Tu vois que moi, ça me touche même pas. C'est pas parce que j'ai une bonne année. Moi, je dis que je laisse une bonne année. Ce n'est pas une bonne année. Comment on n'a pas fait? Ça m'en fout. Qu'est-ce que c'est une bonne année? C'est là que ma vie va changer. Avec quoi? Elle a besoin de nous. Mais moi, je n'ai pas besoin d'elle. Oui? Arrangez votre amitié. Écoute-moi très bien, quelqu'un. Ce n'est pas le chantant que je te fais. Avec ton ayamsel, ta soirée que tu vas faire là. Si ton ayamsel est là-dedans, tu ne viens pas. Oui. Faites vos paix. La paix de quoi de manioc à Facebook. L'ayamsel de Néfès. J'ai dit que je ne viendrai pas. C'est comme ça. Je la déteste. Je me rabaisse pas. Je n'ai pas envie de humer même, de respirer la même air que elle. Eh oui. Je m'en fous. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Mais quelque part, vous avez besoin de la rejoindre. Ah oui. Elle là. Tu as 5 euros. Maman. Tu n'as que 300 euros. Tu as fini avec ma chance ici. Ancien succès. Toi aussi. On t'a fait ça au village. Elle a un problème de gélule qu'elle doit donner l'argent. Elle vient se vanter. Elle est de la manière. Vraiment, merci beaucoup. Bap. Elle est de quoi, c'est du manioc, oui. La team des rientons. La seule team ici. C'est un camp. Attention, voilà le tournoi de travail qui va te jeter à terre. Non, je suis. C'est un grand camp. Tu as c'est bien. Il est incroyable. Quand on va aller là-bas tout à l'heure, regarde. Lisez le message. Ça, c'est moi. Hein. Je te jure que le message, si me convient, tout à fait. J'ai la voix remplie de. Quand je vais lire, je le remettrai. Tu vois. Chaque temps, je vais être bientôt une femme élégante, classe. Hey, quand je m'appelais Diva de Roche. Hey, bonjour, joyeuse. Okay. Oui, c'était mon compte. À l'époque, c'était. C'était mon compte à l'époque. Diva de Roche. Maman, le corps que tu peux voir. La démarche. Et puis, je suis une femme que les noirs aiment, les blancs aiment, donc moi, je n'avais pas le choix. Tout le monde est brûlant, j'avais. Eh, Pipi. Pipi va voir son maître aujourd'hui. Eh, je suis derrière. Hein. Quand vous faites un long discours ici, là, il faut faire attention. Mais dès que je suis venu insulter ici, je vous bloque. Je vous ai dit. De toute façon, tout le monde ne peut pas aller au paradis. Toujours. Okay. Mais tu fais pitié, pardon. Ngosa a invité. Quelqu'un m'a invité. Toi. Il n'y a même pas Happy Birthday. De Nigeria dans son truc. C'est Souleymane. Celui qui présente la soirée. Juste pour se faire repérer pour aller là. Non, oui. Trop tard. Ouais. J'ai compris. Elle aime beaucoup sa soeur. Mais elle est malheureuse. C'est pour ça que quand je te dis que elle est malheureuse. Oui, elle est malheureuse. Elle est malheureuse parce que regarde maintenant avec qui elle tient. Il faut la protéger. Elle est malheureuse. Il faut la protéger. Qui va la protéger? Je ne parle pas de toi. Je sais que toi, elle me l'a dit. Mais elle est malheureuse. La personne. T'as pas d'amis? Personne. Vous voyez quelque chose? Moi. Les gens se relaient ici. Regarde, attends, Emma. Moi, j'ai un problème de déjà. Moi, si tu es assis ici, regarde. Vous voyez, bon, non. Les gens. Mais quand toi, tu regardes avec Lolo, regarde avec qui tu traînes. Tu oublies la route d'aller chez les blancs. Hein? Hein? Elle est comptable. Elle est seule pendant les fêtes. Elle est comptable parce que ça ne veut pas. C'est pas lui. On est d'accord. C'est pas lui ce qu'elle dit. Elle est comptable. Elle est en comptable. C'est pas lui. Donc, tu m'en peux donc. Si je comprends bien, quand de comment vous venez ici, elle était jalouse, tu vois. Oui, parce que. Tu avais la compagnie. Bah oui. Elle n'en avait pas. Et
toujours en train de prendre les gens derrière. Comment tu as parlé de mon ventre là? Tu attends, beaucoup de gens parlent. C'est mon ventre. J'ai enlevé mon utérus. Je n'ai plus envie d'accoucher. C'est quand même dommage, hein? Vous parlez de moi. Je ne suis pas allé couper soya. J'ai d'abord quelque chose pour couper soya. Oui. Tu as d'abord l'argent. J'ai d'abord même l'argent. Non, pour l'argent, ce n'est pas grave. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir. Je sais qu'on peut te couper soya ici gratuitement, non? Avec ta sémi. Bien, tu connais le médecin, on peut te faire ça. Oui. Écoute, je connais le tout là, comment on fait, non? Qu'elle se trouve au moins un petit réseau d'amis qui fasse qu'elle sorte. Quel réseau d'amis? Non, elle adore les noirs. Elle adore les rats, noirs. Donc, mais sa copine de Louane Mangue, elle a trouvé un vieux doigt là ici, elle est dans le pavillon. Hein. Elle est là-bas, on va la sauter, c'est de l'intensité. Donc, là, on va ici, sinon, on va acheter les médecins. C'est plein point. Et Lolo, avec son. Lolo a su Arène. Tu me dis que Lolo est trop belle. On mange la beauté, maman. Réalisons avec la beauté. Maman, réalise quoi avec la beauté? Elle est trop belle avec quoi tu as vu en vrai? Moi, je suis une belle femme. Oui. Ah, une belle femme, c'est celle qui a fait. Moi, j'ai fait quatre. Moi, je suis une moche femme avec les réalisations. Quatre. J'ai perdu deux. Lola, elle a fait quoi? C'est ce que tu appelles belle. Elle est belle avec quoi? Depuis qu'elle est belle, elle a réalisé quoi? Lola est trop belle. Vous êtes trop bête. Le terrain que tu vas vendre bientôt, là. Pardon, dis ton terrain là, qui est à côté de mon terrain. Ouais, ne viens pas prendre les choses comme ça. Mais c'est ton terrain, moi, c'est ça. Oui, oui. C'est pour toi? Oui. Yes. Tu as ton argent? Yes. Je n'aime pas que les gens entendent les choses. Tu ne connais pas les gens. Mais c'est ton argent, maman. 10 hectares, c'est petit. Non. Peut-être l'aéroport de Crébé. La route de Bordeaux va Crébé. C'est ton argent, c'est ton terrain. Tu as investi. Tu as posé tes jalons. Okay. Donc tu n'as pas fait la pute pour rien. Ah oui, excusez-moi. Ben oui. Mais what m'ont donné quoi? Mais c'est une question bête. Mes enfants sont quoi? Métis. J'ai conçu, j'ai une villa. J'ai conçu chez ma mère. J'ai mon ampoule rouge, j'ai toute ma famille en sécurité. Voici ton terrain que tu as en train de vendre, que l'aéroport de Crébé est en train d'acheter. C'est pas, ça que tu dis. Ouais, pourquoi je t'ai même dit ça? Ne parle pas de ces choses. Tu me parles de quoi? Mais dis-le, voilà les mes enfants sont quoi? Arrive. Mes enfants sont noirs. J'ai eu quoi chez les blancs? Mais dis-le, non, tu dis à tes voix des choses. Est-ce que tu peux me laisser un peu parler avec eux? Ah, bah non. S'il te plaît. Je veux finir avec elle ici. J'ai quand même mon HLM. Et j'ai l'espoir que je vais avoir mon héritage un jour. De loi, quoi. La beauté de quoi? Les mains comme de mes fesses, rien. Le nom me dépasse seulement. Non, Marit. Tu vois, ce sont des gens comme ça qui enfoncent cette merde. Non, Marit. Parce que quand les gens ils font comme ça, Tu as accouché le long jour. Mais il faut qu'elle ait la discernation. Il faut qu'elle sorte dans la journée. Hein, sans make-up. Comment? Elle doit avoir la discernation. Il faut qu'elle ait plus de discernation. Non, ce sont ces gens-là. Moi, je ne veux pas la bloquer, mais je vais d'abord. Que quoi? Tu as fait quoi avec les blancs? Mais j'ai mes enfants métis. Au moins, ça prouve quand même que j'ai quand même eu des enfants avec les blancs. Que au moins, voilà mes diplômes. Elle a quoi? Et puis, elle a un discours tellement bizarre. Tu insultes mes enfants. Et c'est toi qui viens de défendre les enfants à Facebook. Nani. Tu connais mes enfants où? Tu es comme Eva Assem. Parce que vous me connaissez, alors que moi je ne te connais pas. Je n'ai jamais traîné avec elle une fois. Donc arrête de dire que j'ai traîné avec elle à quoi. Je l'ai connue parce qu'elle était femme de ménage. J'ai mangé de bon. Et je la voyais quand j'allais manger au circuit Mado. À quoi? Chez Stéphane Fondia. Elle était là-bas. Le mauvais cœur. Ah, okay. Au moins, moi j'ai mes enfants métis. Bah, ça prouve quand même que. Mais j'ai quand même fait quelque chose. Alors, regardez-vous. Regarde celle de Rouen. Regarde l'autre. Il y a quelqu'un qui vous sauve un père. Les influenceuses bloquées de merde. Moi, je suis une vraie influenceuse. Vous savez le nombre de veuves qui sont ici en Europe qui n'ont rien eu. Si vous savez les histoires des veuves. Voici une ici. J'ai oublié. Madame Poulain. De Normandie, attention, il faut préciser. Moi, je suis Poulain de Normandie. C'est Madame Poulain de Normandie et Madame de Belmont. Oui, Madame Poulain de Normandie. Poulain de Belmont, c'est une chère, attention. Ah, bah, elle est salée.
Demandez que mon argent sorte d'où. Demandez à Lolo. Lolo, tu es une merde, tu n'es qu'une pauvre misérable jalouse. J'ai une ferme. Regarde, hein, je lui avais montré. Attends. Je lui avais montré un document de notaire ici là. Hein? Alors, Lolo, j'ai. À Europe, un jour. Et c'est dehors. Toi-même, la maison, tu n'as pas. Il y a le, c'est, tu vas payer le loyer avec quoi? Le loyer de ça. Voilà, tu viens à Paris. Tu viens à Paris. Viens vivre ici à Paris. Avant de quitter ici, tu vivais dans un squat. Oui. Et c'est à Saint-Ouen. Tu as quitté là-bas. Tu vois, moi, mon mari et moi. Hein. Comme le mien. Mais si tu vis ici. Quand tu as quoi? Tu ne peux même pas te combattre. Les petits gens qui te mettent dans la tête que hein, la veuve choisit, non. J'ai fait ma vie. Et je vis. Toi, tu es une fille de dehors. Tu as une team. Mais tu viens commander chez moi et je te donne. Parce que j'ai pitié les de toi. Les enfants qui ont grandi dans la barrière ne réussissent pas. Ça veut dire que toi-même. Elle a grandi où dans la barrière. Avec le père. Elle connaît son père. Elle a même dit son père. Quand tu volais l'argent à ta mère, pour voyager, tu te dis où? Je la connais parce que sa maman venait voir chez papa Ambroise et chez les Lolo en face de papa Ambroise. Mm-hmm. En face de papa Nijikam ici là. Où il y avait chez la maman, papa Nijikam et la femme. Mm-hmm. Sa maman venait là-bas avec la moto. Et si on prend la moto, sa maman se on prend la moto pour mettre chez papa Ambroise. Et tu, la, tu entends comment parler de ta mère? Je connais une femme d'une beauté rare. Par contre, ça. Tu dis que. Hein, attends. Tu dis que jalouse. Jalouse de qui? Sa même si mes enfants n'ont pas de père. Les enfants ont une mère. Rare. Elles ont un nom d'agrément. Je les ai eus au pays. Je ne les ai pas eus ici. Tu as un nom. Moi, je ne regarde pas. Mais il y a que les ratérables. Tu es ratérable. Là, quoi? Même un enfant, rien. Même une épingle pour elle, rien. Moi, je peux la tour comme j'ai dit. Elle a fait quoi hein? Quand le moment de l'autre, les hommes tombent comme les bouches. Elle était une beauté rare. Oui, oui. Ta maman était une autre beauté. Mais elle est une beauté rare, oui. Mais pourquoi alors c'est qui? Regarde sa sœur. Regarde sa sœur là-bas. On appelle quoi? Biaï, rien. Rate. Regarde celle-ci. Rate, tu parles qui? Tu connais la beauté comme une maman. Elle était grande comme ça. Bien. Oui, oui, mais ce que le pipi a ressemblé à sa mère, non? Elle a pris le mauvais coup de sa mère. Moi, comme ça, comme minuit. Comment sa fille? Sa maman était moi comme minuit, comme ma mère. Moi comme minuit. Dieu lui a protégé. Dès qu'elle faisait comme ça, les hommes tombaient. Elle avait donc ce truc-là que quand elle buvait, moi j'ai grandi avec lui, non? Quand elle tombait, et voici la moto qu'on ramasse. On met chez papa Ambroise, on met chez ma chaîne. Oh, mais c'était, Téné n'avait pas encore le grand bas, Téné était encore en bas, avant que la transline n'arrive ici en haut, Téné était encore en bas, avec maman Makamte. Mm-hmm. Maman Maria Makamte, c'est Maria Makamte qui avait Téné. Si je dis comme ça, ils vont comprendre, même Solange lui va comprendre. Parce que nous, on a gardé tout ça, Téné. Solange lui, Natacha, la maman de Natacha, Lolo. Nous tous, on a gardé à Félix. Mm-hmm. Son papa n'était pas comme cette crise. Son papa était ouvre-porte, mes portes et posait les dossiers. Comme cette crise. Non. Non. Ça, c'est le nom qui est arrivé après. C'est une gratification qu'on a écrit. Il n'a pas fait les études comme ça. C'était un ouvre-porte, posait les dossiers. Si, on parle pas aussi. Et de comme lycée, comme lycée, c'était un lycée. Insulte-moi bien. C'est nouveau. C'est elle qui t'insulte. Mais moi, je connais. Les enfants n'ont pas de paix parce que leur père est mort. Et alors, ce sont des orphelines. Mais elles ont leur mère. Tu as quand même eu le ventre qui a gonflé, non? Maman. Ça a dégonflé, ça a gonflé. Ça veut dire que tu as fait 9 mois. Maman, 4 fois. Sans père, tu ne peux pas aller au marigot, au village, tu bois l'eau et tu gonfles le ventre. Non, il faut qu'un homme dorme avec toi. Ouais, l'amour de ça. La souffrance de ça. Je vais traiter votre machin là. Profitons de ce que les hommes ont fait. Même si on a été violé. Même si on a été violé, ça fait quoi? On a souffert les enfants. Oui. Maman. Tu as sacrifié ta vie, hein? Ouais. Ceux qui ont jeté les grossesses n'ont pas sacrifié leur vie. Les enfants de... Le loi un enfant quand même, attention. Hein. Je sais que Niat c'est son enfant. Oui, Niat, je sais, non. Ils sont fils. Mais quand on
on a ramené même Niad Akrivi, quand Lolo est parti, j'étais enfant. Quand on a ramené Niad Akrivi. Quand on a ramené Niad Akrivi. Niad était venu manger, c'est j'ai posé la question. Quand on a ramené Niad. Il m'a dit que oui, c'est ma mère. Il m'a dit que c'est ma mère. Lolo a fait tout. C'est l'autre grand chien, non, maman. Qui Lolo. C'est ta grande soeur. J'ai cette façon, ça t'approche à le sexe, je dis Lolo, c'est ma grande soeur. Ah. Ah ouais? Rêve ce tournage, 46-48. Eh ben dis donc, on garde assez grave. Il faut bien me parler, me dire les choses, hein, parce que je ne peux pas la louper. Hein. Bah, c'est pas le commérage, hein. Je ne fais pas le commérage. Ah, yeah. Mais c'est notre grande sœur, hein, pour dire la vérité. Hein. Je te dis la vérité. Eh? Il y a une personne que je dépasse un peu. C'est souvent je mets que moi je dépasse un peu. Parce que là, je mets. Oui, moi je la dépasse un peu. Mais Loulou, c'est notre grande sœur. Hein. Ça fait 2-3 ans, Lolo doit être entre 56 et 58. Hein. Et c'est maintenant que tu vas réaliser tes rêves. Ah ben non, mais c'est notre grand. C'est pour ça que je te dis, laisse-la tranquille, c'est notre grande soeur. C'est pour ça que je te dis que laisse-la tranquille, moi je la respecte parce que c'est notre grande soeur. Laisse-la tranquille. Gavo, regardez même Niad. On voit pas que Niad a du visage. Est-ce que Niad est comme la panthère se ressemble? Non. Et c'est comme la panthère qui avait insulté Niad, que voilà ta mère là-bas à Paris, machin, tout. En train de boire partout, une junkie et tout. C'est comme la panthère qui sort l'histoire. Et j'ai demandé ici, elle m'a dit que oui, non, c'est elle, c'est ma mère. À la réunion, oui, elle ne veut pas parce que oui. À la réunion des parents à Crédit, on avait ramené la maman de, avec sa veste pas, avait ramené l'enfant pour faire, pour laver l'enfant. En ce moment-là, on lavait les enfants. On appelait les réunions pour laver. Tu vois, l'enfant. Elle avait jeté. Elle avait jeté. Mais maintenant, quand elle a ramené l'enfant marchait déjà. Mais elle n'a pas dit comment, de quoi, cause de quoi. Mais comme il y avait le papa Babileki et la maman Babileki qui venaient à la réunion, donc les réunions de Bouddha, machin, venaient à la réunion de Babileki, oui, pour laver l'enfant, le savon, les machins, ceci, cela. Elle a été. Lolo n'était pas assise, je te jure, sur la tête de ma mère. Lolo n'était pas, je te jure, ce que je te dis là, je te jure. Et pour Niad. Elle n'était pas assise parce que sa mère ne voulait pas aussi l'exposer. Sa mère couvrait l'enfant aussi. Parce que je sais pas, en ce moment. Et donc, tu as donné un pousseur qui a. Qui connaissait son. Ah mais en ce moment-là, c'était pas comme maintenant que tu peux dire que la fille a un copain, des choses comme ça. Parce que les vrais bannités de crédit avant, c'était les bannités qui résistaient leurs enfants. Oui. Regarde ici chez Papa Njika, regarde ici chez Carrefour Bello, regarde ici là chez Ambroise, regarde ici là chez les Lolo, regarde ici là chez Kenny. Tu ne pouvais pas. Regarde ici chez l'an 2000, en descendant de Transline. Oui, le Transline, oui. À droite, les Bagadés. Mais tu ne pouvais pas être accueilli que ton enfant a échoué. Donc, quand il a fait ça, malaconte, mais moi je lui en veux pas, parce que les parents aussi étaient exigeants. Elle a fait ça, elle a déposé l'enfant. Mais quand on a demandé que le ventre est où, elle a quand même signalé, mais jamais. Elle a signalé où elle a déposé l'enfant. Elle n'est pas partie parce qu'elle n'en voulait pas. Elle a signalé où elle a déposé l'enfant. Et qui était le père de Niad? Ah, hein? Viens parler dans ma bouche. Tu parles non? Tu as accouché l'enfant à côté de la poubelle. Hey! Non, elle n'a pas accouché à côté de la poubelle. Elle est allée déposer, c'est ce que voilà. Maman avait dit. Oui, elle n'a pas accouché à la poubelle. Elle a accouché son enfant, elle a porté, l'enfant pleurait, gna. Et comme elle avait refusé, elle avait fait un délit de grossesse. Parce que le ventre, le Lolo est sorti à la fin de la grossesse. Elle avait fait un délit de grossesse. Je te dis, c'est ma grande soeur. Ouais. Moi, j'ai 53 ans, non? Lolo, c'est ma grande soeur, non? On en parlait dans tous les milieux d'Amérique. Elle a fait le délit de grossesse. Elle a accouché, elle est allée déposer. Elle n'a pas étouffé l'enfant parce que moi l'enfant dit qu'elle avait étouffé l'enfant. Elle n'a pas étouffé l'enfant. Elle l'a bien, je te jure sur la tête de Charles, elle l'a bien emballé l'enfant. Bien. Elle l'a déposé. Elle est rentrée dans la chambre, elle pleurait. On est passé ramasser l'enfant. Quand on a dit que tu as déposé, viens nous montrer, elle a dit qu'elle ne sort pas, elle ne veut pas rentrer déposer, elle n'a pas accouché. Nolo a dit qu'elle n'a pas accouché. Elle dit qu'elle n'a pas accouché. Quelque chose est sorti, je voulais que quelque chose est sorti, j'ai déposé ça là-bas. Tu vois, c'est pour ça que quand je te dis que ne l'insulte pas, parce que c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur, ne l'insulte pas, parce que je connais. Elle a les grosses, les énormes souffrances. Moi, je la comprends. Elle a les énormes souffrances. Je te dis, elle a les énormes souffrances. Dès le bas âge,
et commencer déjà à faire un déni de grossesse. Donc le ventre n'a pas gonflé, le ventre n'a pas gonflé. On dit, tu as senti, tu as senti. Au moment d'accoucher, le ventre sort, boum. Maintenant, elle va pisser, le machin va sortir, minutieusement, bien emballé, pas étouffé, ni quoi que ce soit fait. Elle aurait étouffé, personne ne l'aurait su. Elle est allée le déposer. Quand on a dit que viens nous montrer alors où tu es. Mais pourquoi elle a déposé l'enfant à la poubelle? Mais parce qu'elle n'en voulait pas. On appelle ça le déni de grossesse. On est en France, on appelle ça le déni de grossesse. Parce qu'elle ne voulait pas de cette grossesse et elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle connaissait son corps, mais comme son corps refusait la grossesse, elle ne voulait pas en entendre parler. Eh, hey, pauvre niette. Bah oui, c'est un déni. On appelle ça le déni de grossesse. On appelle ça déni de grossesse. Elle allait déposer. On dit, viens nous montrer. Son père a commencé à tirer sa mère, elle est venue la vider. C'est pour ça qu'elle parle toujours ça. Elle parle rarement. Elle parle de son père parce que le titre. Mais elle parle de sa mère parce que sa mère l'avait protégée. Parce que comme sa mère, maman était une pute à crédit. Sa maman accouchait avec tout le monde à crédit. Mais d'une beauté, hein. Elle était belle, hein. Elle était belle, hein, maman, hein. Je te comprends, là tu as vécu un peu. Mais, des souffrances, hein? Elle a eu des souffrances. Elle a eu des souffrances. Elle a beaucoup souffrance. Elle a beaucoup souffrance. Ça ne veut rien dire. Je ne la lâche pas. Et même avec tout ce que j'ai dit, ma, tu la lâches. C'est votre grand soeur, ma, laisse d'abord. Non, je ne pas laisser. Que elle a eu des souffrances. Écoute, alors. Non. Moi, zéro paix ici à Facebook, la paix de quoi? Dis à Lolo que sa petite soeur est son avocate chez la veuve joyeuse. Eh bien, ta soeur m'a arrêté de crier bien. Elle te connaît très bien. Bah, on a l'air. Ici à Lyon, non? Parce que nous te laissons les vaches de Bélo venaient passer comme ça à l'école, le col du centre, ma. Viens, on entend. Ouais. Le 16 de Crivier est passé devant le lycée de Crivier, c'était toujours devant nous, non? Avec le CTM. Donne n'a même pas eu le CP. Elle a eu le CP quand même. Le bébé, c'est non, parce qu'elle était au CP. Elle fait première année au lycée. Oh, c'était le CRS à ce moment-là. Oui. Après le parti au CTM. CTM de Crivi qui est devenu la SA aujourd'hui. La SA, oui. CTM. CTM de Crivi qui est devenu la SA. Ouais, non. Et comme ça, toi-même. Et la SA. Et attends. Je ne te dis plus mes choses. Hein. Je ne te dis plus mes choses. Ah, et tu es au CTM. Après, on s'est fait la broderie. Normalement, au CTM, on a pris la couture et la broderie et les machins, broderie, oui. Le tissu, machin. Et rien du tout. Ils sont avec les professeurs. Donc, ils sont avec tous les professeurs. Parce qu'elle a grandi, non tu, elle a... Oui, elle est grande, elle est grande. Quand 13-14 ans, quand tu es là, des 7 machins, on pense que tu es une femme. Regarde les enfants de 13 ans ici. Tu n'es pas pour les femmes. Non, mais elle est grande quand même. Bah oui. Ouais, oui. Dis là, je te comprends, hein. Laisse-la alors. Tu m'en vas à ma vie. Parce que moi, je n'ai pas grandi comme toi. Par rapport à ce que tu parles de moi. Maman, tout ce que j'ai dit là, c'était pour que tu laisses. C'est notre grande soeur. Laisse-la tranquille. C'est notre grande soeur, ma. Laisse. Jamais. Moi je suis simple à Kata. Et ils ne font déjà pas. Oui, oui. Moi je ne suis pas dans leur père. Chez moi c'est zéro père. Chez moi c'est zéro père. Oui. Antienne. Ouais. Elle a compris. Elle peut continuer à connaître. Elle ne peut pas comprendre. Tu quand elle va sortir sur moi là. Boomerang. En tout cas, j'ai dit que je te lâche pas dans Utah. Hey! Elle est au CTM, hein? La star, parce que la star, c'est. Elle est belle, elle est belle, quand elle était jeune, hein? Mais moi, je ne la trouve pas belle maintenant, hein? Elle était très petite quand elle était petite, hein? Quand elle était. Mais à l'époque, il y avait les blancs, puis il n'en a pas trouvé ça, pas de. Elle a seulement pris une mamie, Wata. Je ne dis pas ça. Elle avait un penchant pour les autres enfants de le bas, les enfants de parents qui avaient le bas, parce que tu sais. Tu étais aussi à Vivi, non? Oui, oui, oui. Donc, comme c'est les bamékés qui avaient les bars. Oui, quand tu vas bas, chez Bachou, mais... quand tu vas chez Mémé, mm-hmm. Quand tu vas chez Papa Ambroise, quand tu vas. Vous êtes toujours. Vous fricotez parce que c'est les parents qui sont aussi ensemble, machin. Donc, ils étaient dans la boîte, c'est comme ça. Parce que c'est les enfants qui. Attends, en ce moment-là, dans tous les casiers de biens, il y avait 10 000, 30 000, 40 000. Tu sais qu'il y avait l'argent partout au Cameroun. Pour quelqu'un qui connaît le Cameroun. Mm-hmm. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et rentrer sans voler l'argent. Il y en avait partout. Ouais. Man.
Il y avait aussi les blancs pour Amanga. Amma. J'ai dit. Ici, là, à l'époque. AEK. Moi, je connais Critikos. Ici, à AEK. C'est les plus là. Des métropoulos. Des métropoulos. Tu dis à qui? Mais moi, j'ai bien dit. Des métropoulos. Qui était secrétaire de tout le bar de Critikos et tout le contrôle de Critikos? À moi, la première dame à travailler avec le blanc et à taper la porte. Ma grâce avait la voiture, elle n'a jamais fait la voiture. Maman, quand on lui a donné la voiture, elle, quand son mari lui a acheté la voiture, elle descend la voiture et ça va comme ça. Anti, si la voiture n'est pas comme ça, parle-moi de boulot. Laisse-la, c'est notre grande soeur. Tu as commencé, c'est Facebook. Les gens disent, moi je suis zéro père, votre père a le fait ça. C'est notre grande soeur. Non. Grande soeur. 56-58. Mm. Ou un âge 56 ou 58 ans. Parce que je la connais. Ouais. C'est notre grande soeur. Le jour où on va me connaître. Mais de toute façon, elle était devant moi. Donc nous, on ne peut pas. On ne peut pas tout ça, mais. On connaît. C'est qu'elles étaient, parce que tu sais que quand tu es petite, donc tu vois tes grands soeurs dans la lumière comme ça, elles sont avec l'autre chérie. Non, elle a pensé la borderie très tôt. Elle n'a pas fait la borderie, elle était avec les garçons. Je n'appelle pas ça que borderie. Toi, elle est avec ta bombeuse bouche. Hein. C'était pas la borderie, elle était avec les garçons. Mm-hmm. Et pourquoi elle a tué pour aller à Donna pour faire? Quand elle a remarqué qu'elle était enceinte. Elle a remarqué qu'elle n'avait pas les règles, un mois, deux mois, machin. Elle a fui. Oui, elle a fui. Et qui était, c'est ce que ça devait être un pousseur. Je ne sais pas, mais comme elle avait plusieurs, on ne peut pas savoir exactement qui est le père, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais je pense que, vu le visage de Barano et de Lolo, je pense qu'on est tous son père. Quoi? Je pense connaître son père. Parce que quand je vois, je pense connaître son père. Si où Lolo a dit qu'elle a déposé l'enfant, parce qu'elle n'a pas dit que j'ai jeté, elle a dit que j'ai déposé à quel endroit, elle n'est pas sortie de la maison. On est allé chercher l'enfant. On a ramené l'enfant et vu les personnes qui étaient à côté, vu le visage de Niat qui ressemble vachement à Lolo, et aussi un côté, moi je pense connaître qui a fait cet enfant. Si je pose ma main dans mon couple, là par contre, je c'est pas pour Facebook. Là par contre, c'est pas pour Facebook. Je pose ma main dans mon couple. Je pense qu'on est le père de l'enfant. Si Niat est vraiment l'enfant que Lolo a dit que j'ai déposé, parce qu'en ce moment-là, on déposait les enfants partout, hein? On déposait les enfants partout. Oui. Si on n'avait pas ramassé l'enfant de Lolo avant de trouver Niat, hein? Parce que Niat ressemble quand même vachement à Lolo. Et c'est son fils. Il est comme ça. Alors que ce n'est pas son fils, mais l'enfant que Lolo est parti déposer. C'est Niat? Si c'est Niat ou c'est un autre enfant, moi je pense qu'on est le père de l'enfant. Niat. Oui. Tu sais, Niat est comme ça, mais la gueule que tu vas entendre, il se ressemble bien de deux maquillages. Mais c'est pas que deux maquillages, mais tu vois très bien que si Lolo ne faisait pas le maquillage, c'est deux spécimens. Non, mais c'est la même personne. Non, Niat ressemble à lui, c'est sa mère. Regarde. Copine conforme. C'est son enfant. Et pour son enfant. Et moi, si Niat est vraiment l'enfant de Lolo, moi, je pourrais lui dire que, tiens, demande à Lolo que tu connais Marigoba. Tu connais Marigoba? Marigoba, c'est le premier bar que Mba avait construit. Oui, Mba, je ne le connais pas, c'est sa femme qui est là. Tu l'as connu hier, alors nous, on était là, parce qu'on est rendu. Oui, mais j'ai grandi, j'étais jeune aussi. Hein? Ouais. Marigoba, c'était en face du petit auberge Bello. Voici la mosquée. Voici auberge Bello. Voici chez les Lolo. Lolo, pas Lolo. Chez les Lolo. Voici chez papa Ambroise.
Voici, je ne peux pas nous dire. Voici, ici, la nuit, voici la série. Ici, derrière. Vraiment, le dimanche, ici, derrière, où il y avait la série. C'était avec qui? Avant Marigo. C'était avec qui, Lolo? Ouais. Niet. Si les gens avaient maman, je lui montre son père. Niet, tu vois ton père? T'as-tu vu que c'est dans le temps? On a dit qu'il est sauvage, moi je ne peux pas. Non, elle n'est pas sauvage. Mais c'est la personne, non, hein? Mais Niet, c'est que... d'accord, gâté. Niet, c'est que seulement que. Tu sais que sa personne, vous avez parlé, il avait montré les enfants, machin, machin, il te montre sa raison, mais comment il est encore fâché de toi? Il est comme sa mère. Ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires. Mais c'est normal. Tout le monde. C'était un jeune. C'était un jeune, mais je dépouille. Et comment elle avait couché avec lui? Et Bamba. Les enfants, parce que tous les enfants de riches ils commençaient déjà à baisser. Maman, c'est le pantalon du papa que tu le vois qu'on a mis la ceinture juste ici pour que ça arrive ici. Julie, demande à Lolo que tu connais Julie face à. Tu connais Julie? Julie. G-I-L-I. On appelait que Julie. Voici au thème Beno. Voici la. Mm-hmm. Voici le bar, le dans le caniveau, parce qu'on a coupé la boisson en bas, hein. Il m'a dans le caniveau, d'accord, oui. Demande à lui si elle connaît le tailleur qu'on appelait ma chèque. Maman. Lolo, vraiment, moi je vais pitié de toi. Ne te lâche pas. Vous voyez pas, on dit souvent que le comportement d'une personne comme Lula, ça dépend comment elle a vécu. Parce que le va dire qu'elle a grandi, une petite qui a grandi dans une barrière avec ses yeux là. Elle a les yeux odieux, tellement nauséabond. Elle a grandi dans la barrière, mais laisse là, c'est notre grande soeur, par respect pour notre grande soeur. Non, elle n'a pas grandi dans la barrière. Elle n'a pas grandi dans la barrière. Eh, hey, Bamba, avec tous les blancs qui avaient appris la boîte. Laisse-la alors! Eh, la blanche en bois manga. Foyer d'accueil, centre d'accueil. Eh! Hey. Massa. Les bœufs de Beno, venaient traverser comme ça là. Oui. Avec Adamou. Demain, le rosier connaît Adamou. Tu connais Adamou? Adamou, tu dois le taille comme ça. Le nez, c'est comme ça. Du nez, tu connais le foulard, non? Du nez. C'est sûr que ça doit être un des pères de l'honneur. Non, ce n'est pas le père de Niat. Je te dis que Adam, grand comme ça, c'était un Fulani, maman. Même nous-mêmes, quand on ne connaissait pas les garçons, on regardait déjà Adam. Parce que les Lolo, c'était nos grands soeurs. Mamie, avec Adam, elle partait au champ 2 jours, 3 jours, quand ils allaient après dormir. Parce qu'en dormant là-bas, C'était la forêt. En ce moment, on dormait avec les brasseries. Donc, elle partait avec les tapeurs de bœufs dans la forêt. Il n'y avait pas encore les brasseries à dormir comme il y a aujourd'hui là. Tu vois? Tu veux me parler, moi? Les brasseries étaient ici, là, ici, la blanche aussi qui partait vers Critique au Snow. Quelque part, là, à gauche, il y avait la Guinness ici, là, au quartier général. Mm-hmm. Et les brasseries étaient ici, là, non? Alors, j'aime les détails. Attends, 25 ans, 30 ans, elle partait dormir avec tapeurs de bœuf. Adamou, tu ne pouvais pas aider Adamou sans me suivre.
Adam, il a détourné les filles de prédit. Il a marié, officiellement, il a marié trois filles de prédit qui sont parties au nom vivre avec lui, hein. Ouais, non, c'est bon. Il a laissé. Ouais, tu n'as pas de chance, Emma. Emma, Damou, le vendeur de Bota, Grenaco. Grenaco. Maman, tu as raison de la laisser. Tu te laisse là. Arrête, on dirait, pardon, arrête, parce que laisse Lolo, tu as fait. Maman, tu sais que tu as fait le message, on appelle Grenaco, non? Tu es du nom, non? Grenaco. Kai. Eh ouais, là. Kai. Donc, ça a été là. Adam, c'était un Grenaco. Eh, Adam. Beau comme un. Comme un Dieu. Dieu de beauté. Non, elle allait à la prairie avec Adam. Trois jours, quatre jours. Laisse là. Maman, ouais. laisse. C'est notre grand soeur, laisse-la. Mais il faut alors qu'elle se comporte avec moi comme une grande soeur. Oui. C'est elle sage. Oui. Je vais l'appeler en privé. Je vais l'appeler en privé pour dire que laisse ta petite soeur tranquille. Non. Je ne te permets pas. Maman. Qui? Je vais l'appeler. Je vais dire que laisse ça. Elle, moi, c'est Bata. Elle est à foutre. C'est tout. Elle est argent. Oh, ma mère était ceci. Ma mère, tu vas casser le terrain, toi, derrière. Juste, c'est très collé. Quoi? Hein? Mmh. Non, pose pas à terre. Pose quelque part. Voilà la chaise. Non, mais voilà, je vous laisse. Il est venu là parce que tu connais pas les huîtres. Il faut, on va chercher. Maman, on mange dehors les huîtres. Tu vois comment j'ai ouvert les huîtres ici. Il fait froid, mais il fait froid. Donc on les prend, on vient les ouvrir. Non, non, on peut toujours ouvrir là-bas, c'est possible. Bah oui. Moi j'ai envie de manger des huîtres. Hein. Non, oui. On va faire un joli plateau de mer. On va passer notre bonne année. Toi et moi, Balata. Une place. Bah oui. J'amène ma petite soeur manger, hein. Les amis de Warriors. On va manger le fruit de mer. Les deux œufs. Voilà. Deux œufs de nom et deux œufs de poulet de nom. Deux œufs de poulet. On m'a donné à nous épouser les pauvres blancs. N'importe quoi. Ouais. Ça tombe tous les mois, hein. Madame. Le cas de 5000, hein. Madame Poulain. De Normandie, n'oublie ouais. pas. Les ouais. J'ai les agneaux de grain salé. J'aime le lait. J'aime le beurre. Je donne à la Thalys, président. Le ouais, président. Ouais. Oui. Ta veuve. Tous les petits carrés de beurre qu'on mange dans les restaurants, les hôtels, là, il y a une seule place qu'on donne, c'est à Isigny-le-Buat. Écrivez bien, Isigny-le-Buat, c'est pas 540. Isigny-le-Buat, c'est seulement la seule usine dans tout le monde entier qui fait les petits carrés de beurre. Oui. Après ça, il y a Elévi. Elévi a copié sur la Thalys beurre président. Beurre président, si vous mangez le beurre président, c'est mon beurre. Je dis, toi, tu parles mon genre à qui ici? Les gens, oui. c'est... C'est mon beurre, ça sort de ma ferme. Oui. Pam, ça me connaît, non? J'étais là-bas, non? J'étais à l'inauguration et j'ai dit à Pam, c'est rien à sa femme, que je suis agriculteur parce que je ne me cache pas. Je suis ouais. De côté poulet de Normandie. Toi, moi, tu as fait un bon mariage. J'avais un bon mariage. Pauvre joyeuse. J'ai mis de ma femme. En moins, je suis marié des veuves. Oui. Les mariés sont couchés dans les chambres. Hein. Il y a trois couples qui sont couchés dans les chambres. Les deux veuves, chacun a pris son canapé. Les mariés sont couchés. On est ici à 8. Hein. Non, on est 7. 8. Toi et moi, ça fait 2. Trois couples, ça fait 8, non ouais. Les voilà couchés dans la chambre. Parce que la nuit, ce n'était pas facile. Hein. Maman, tu la dors. Nuit, on est venu rendre visite à ma petite soeur qui s'est fait opérer et que le résultat était bon. Donc nous voici chez Elisabeth de Brébond. Oui. Eh oui! Une longue bouche là. Ils veulent que je les montre ma cicatrice. Pour faire quoi? Vous êtes amoureux. Comme ça, ils vont voir que je me suis opéré. Vous êtes amoureux d'Elisabeth. Nous, on est venus lui rendre visite. Voici la cuisine. Venez manger, hein. Parce que nous, on sait pas ce qu'on va faire avec la.
Qu'est-ce qu'on va faire même avec la nourriture qu'on a ramené, ma? Une voiture pleine de nourriture, on va faire ça avec ça. Pardon, après, les gens viennent porter et ils partent avec elle. Nous, voici alors, on est venu avec la nourriture. Toi et moi, on a envie de manger les huîtres. Les enfants ne veulent pas manger les huîtres. On va sortir. On va manger des photos, hein? On va manger les huîtres. Les blancs vont nous servir avec un bon petit vin blanc. Je vais amener ma petite soeur manger les huîtres, hein? Ouais, bon, ouais. Aujourd'hui, là, vous avez la pièce de porc. C'est janvier, vous mangez les pieds de porc, 1 euro le kilo. Attendez, c'est bientôt, hein? La janviosa. janvier, fini. Tu sais pourquoi je me comprends comme ça? Nous le savons. Parce que parfois, tu te mets, c'est même qui ça, non? Je t'amène manger. On se fait plaisir. C'est trop. Il doit trop la bouche. Tchaï! Tu regardes même les devants, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Laisse nos loups, laisse-la. Tu la laisses pas avoir quoi? La grande soeur. La grande soeur de qui? Eh, maman, juste par la respect. Laisse. C'est même ma belle soeur. Regarde-moi, c'était pas si tu me parles. Je veux te choquer, Lolo. Maman, tu appelles ta grande soeur qui est pas. C'est une épave. Une épave, une poubelle sexuelle. C'est comme ça. Regarde, je parle comme ça. Lolo, viens plus là, viens pour venir. Tu as joué à Bosa. Tu n'as que la gueule. Elle a compris. Elle n'a pas encore compris. Elle va comprendre. Je dis rien. J'espère que je voyage bientôt alors. J'ai dit que non, tu vas me voir. Je vais devenir Diva de Roche. Comment? Bon, c'était mon nom à Facebook. Oui, c'était mon nom, oui. C'était mon nom. Diva de Roche. Tu vas voir ce qu'on appelle une femme belle classe. Tu attends, non? Tu vois, tu vas tuer Eri. Avec les décomandes dans les trucs africains. Oh bon. À la facture de lui, elle va venir. Elle a quand même la poisse. Je l'aime beaucoup, mais elle a un penchant pour des personnes qui ne lui servent à rien. Je ne veux pas comprendre comment une fille. Non, elle est belle. Oui. Non, mais je ne sais pas comprendre comment une fille est belle, elle a des opportunités et machin. Et tu ne t'attardes que sur les personnes qui ne te donnent rien. Comment le loup est la femme et ne rien avoir? Est-ce que c'est normal ça? Au Cameroun, c'était comme ça. Au lieu de prendre des enfants de macho, les enfants de riches sont mariés avec riches, moi, j'ai fait l'enfant avec qui? Hein? Tu veux que je te dise, Lolo? Hein? On avait tout pour réussir parce que nos parents étaient comme ça là. Hein? Tu sais que je suis l'enfant de qui? Hein? Lolo a une attirance pour sortir de lui. Comment est-ce que une fille peut faire des voyous? Des voyous? Hein? C'est ça qui me coûte. Moi, je ne comprends pas cette fille là. Non, elle n'est pas ambitieuse. Hein? Non, peut-être qu'elle a peur d'avancer, elle a peut-être peur. Elle a peur de tuer le monde. Lolo a peur de tuer le monde. Elle a peur de tuer le monde. Elle a peur. C'est pas. Tu te lances une fois, tu échoues, deux fois, tu échoues, trois fois, tu échoues, 10 fois, la 14e fois, tu vas réussir, mon sang. Hein? Hein? Tu penses que les gens se lancent une fois et la première fois, ils réussissent. La vie est faite de haut, de bas. La vie, c'est les dames aussi. Tout le monde est au courant de ça. Elle est venue faire quoi, Ben? Après le long Bosa là. Hey! Et toi, tu me parles. Lasse-toi. Lasse-toi. Tu échoues. Échoue 15 fois. Non, elle ne voit pas ses échecs. Elle voit plutôt. Mais échoue, madame. Échoue et avance. Ah. Tu vas trouver le. Lolo. Mais qu'est-ce que tu fais après? Comme j'ai un bon cœur, je pense que c'est même moi qui vais te tenir à la main. Que j'ai pitié de toi. Tu connais quoi? Même à loi, l'autre a dépassé. Tu es dans le même pot dans le milieu africain. Tu te mets dans le milieu africain. C'est son but. Mais sors de là. Voilà un dimanche, je dis, tu vas un peu. Elle parlait à Champs-Élysées. Oh. Elle parlait à la tour de la Trocadéro. Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle parlait au 16e à la rue de la Pomme. Elle s'assoit là-bas calmement. Elle peut trouver. Non. Toujours. Moi, je n'ai rien contre les Africains. Hein? Mais nous, on est venus se chercher en France, ma chérie. Qu'est-ce que tu as-tu fait? Le maître pour la veille de venir des Africains. Qu'est-ce que tu fous là? Tu fous quoi là? Mais échoue une fois, deux fois, trois fois, 15 fois. Lolo sort de là. Sort de là. Moi, je suis en train de supplier la veuve de te laisser tranquille. Sors de là. Sors de cette merde-là. Regarde comment tu es belle. Il y a encore un peu de chance. Mais il disait là, 2-3 ans. Mais je te jure que tu es foutu. Hein? Moi, je te connais à moi. Hein? Moi, je suis veuve. Hein? Elisabeth est veuve. Hein? Elisabeth est veuve. Moi, je suis veuve. Hein? Sors de là. Hein? Et Lolo. Hein? Trouve-toi un machin. Hein? Même si c'est un petit machin. Tout un machin, moi je ne dis pas un homme, tout un machin où tu vas aller te poser. La retraite va être dure. Mais bien sûr, mais ça va créer bientôt, hein. La retraite serait compliquée. La retraite va être dure, hein. Tu me parles de moi.
Moi, j'ai ma Laetitia. J'ai un amour, moi, je supplie Elisabeth de ne pas t'engueuler. Toi, tu es là. Comme Elisabeth dit. Lolo, sort de là. Trouve-toi ton bâton de pèlerin. Ouais. Trouve-toi ton bâton de pèlerin. Et tu piques le bâton. Il pique, tu piques, il pique. Oui. Oui. Donc, toi, tu penses que nous, on a pris la retraite parce qu'on est bête. Alors qu'on n'a pas ton âge. Toi qui es nos aînés. Ma. Trouve-toi quelque chose. Trouve ton bâton de pèlerin. Moi, c'est juste ce que je vais te dire. Moi, je n'insulte pas. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Trouve-toi ton bâton de pèlerin. Hein? Parce que cette année, c'est la façon dont Flo parle du mariage. Flo a trouvé son fiancé et je suis sûr que Flo va se marier. Chiche. Il ne faudrait pas qu'elle divorce. Je te dis que hein, la façon dont Flo parle du mariage, hein, de l'homme, machin, je veux un homme, machin, machin, Flo a trouvé son mari et Flo va se marier. Je te jure sa tête. Tu vas voir. D'accord, moi je suis de moi. Parce que j'ai tué le français tout seul. Et moi je n'ai pas force Dieu. Moi je n'ai pas vu de me marier. C'est comme je suis capricieuse. Ouais. Je t'ai dit que je parle bientôt. Je suis trop capricieuse. Je suis trop capricieuse. Parce que j'ai trouvé ma balise, la seule des balises. Mmh. Je commence à tuer, mais je m'en vais. Mmh. Mon ventre. Moi je ne peux plus me marier. Ah, qui va faire le ménage à la maison? Tu vas trouver quel homme à la maison. Il fait le ménage, il te met la nourriture, il t'appelle princesse. Il y a avec vous me marier. C'est pour ça que je suis malheureuse. Quand tu es venu joyeux, moi je suis malheureuse. Ça se voit. Bah oui. Moi, c'est une nouvelle très très joyeuse, comme vous voyez là. Je suis malheureuse parce que mon mari faisait le ménage. Je n'ai pas regarde ma peau. Au moins, moi, j'ai un peu de la joie, même si j'ai tout raté. Moi, j'ai au moins la joie. Je vais te montrer que moi, c'est la joie. Je suis rentré. Je suis rentré pour les blancs. C'est mon monde. Parce que je ne peux pas te dire que j'ai eu un Africain. C'est bon, ce n'est pas ma tasse. Je retourne avec les blancs. Madame de Grémont, il va être, même si je me marie, hein, tu veux garder mon nom. Bien sûr. Je ne change pas le nom, je ne porte pas le nom de celui-là. Ah ben. Non, je serai Madame de Grémont Dupont. C'est comme ça que le nom a dit que la maman de son premier fils, elle a gardé, alors son nom, tu sais que c'était une Algérienne ou une Tunisienne, elle a gardé, c'est la seule femme de tous ses mariages qui a gardé le nom de Delon. Oui. Ben oui. Mais c'est comme si tu avais fait une faveur. Moi, je suis poulain de Normandie. Allez chercher, hein, comme vous allez entendre, poulain de Normandie, allez prendre le marché, tu vas voir. Poulain de Normandie, propriétaire de la ferme. Je suis propriétaire de la ferme de chez moi, hein. 4 000, 5 000 euros. Pour les mois, comme le repère, en donnant du lait. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, ma cour. Allez chercher. Je te dis. Ok. Mon mari était malade, c'est moi qui m'en suis occupé. Vous étiez là. Vous étiez là quand lui souffrait de son cancer généralisé. Vous étiez là. Non, on va manger. Moi, on va manger les autres. Ouais, tu dépenses ton argent. Tu manges ton argent. Vos gueules. Lolo, laisse le Guénaco. Laisse aussi Elisabeth tranquille. Elisabeth, c'est ta petite sœur de très très loin. De très 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 loin. Plus de 10 ans. Donc, Lolo, méfie-toi. Calme-toi derrière Elisabeth. Va chercher tes combats ailleurs. Laisse Elisabeth. Parce que moi, je te connais. Je ne dis pas tout. Parce que même Elisabeth n'est pas passée. Elisabeth n'est pas passée. Si tu sors tout, tu donnes à Elisabeth. Elisabeth va faire le combo avec. Je vais faire un cuir. Si je te donne. Oui, parce que le cuir est comme ça. Si je te donne tous les balles, tu vas faire comme ça là avec ça. Une belle fille n'est pas dormie en bourse. Sa mère pleure. C'est le serpent de mon de la vie. Avec Soulé. Abadou. Il s'appelait comment Soulé? Abadou. 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 Ça veut dire que tu étais où? J'avais un ancien. Un jour, ça me l'a tapé ici. Là. Lolo, voici le bar de chez les Lolo. Voici le bar de papa Ambroise, tu connais. Voici le restaurant de papa Djikan. Derrière, il y avait la série, non. À côté, il y avait les bar où tu avais aussi un autre bar là-bas. Quand
Quand tu es venu avec Abad, on dit que Nyakaoussa, Nyakaoussa, taille, taille, taille. Tu es venu, tu marches avec. Ça mène avec ma. Ça mène la tabassée. Ça mène la tabassée. Abad. Parce qu'elle sortait avec. Amadou. Amadou Aoussa, Kai, Kai, Kai. T'as pas dit ça, ne finiront jamais ici. Ça mène la tapée comme un serpent. Ouais. Lulu, tu me l'aimes, hein? Je ne sais pas pourquoi elle a pris le maquillage, hein? Vraiment. La fille était belle, hein? Hey. Loulou, t'es pas mon cher? Moi, je la trouve très laide, là, mais moi, vraiment, moi, je ne suis pas belle, mais moi, je la trouve moche, mais vraiment moche comme un coup de poing. Je la trouve très, très moche. La fille était belle, je ne sais pas pourquoi elle a pris. Et qui va reprendre la résolution comme toi, laisser le maquillage, jamais. Parce que mon frère est un an, deux ans, non, hein. Laisser le maquillage aussi, c'est une concession, c'est comme prendre de la grossesse. Tu sais que tu as là pour deux ans, non? Tu vas plus pointer. Moi, la grossesse, tu ne pointes plus, non? Tu ne pointes plus. Oui. Tu sais quelle heure il est, hein? Il est là. Il est 11h. Moi, ce matin, on sort de ce qu'on va manger nos huîtres comme les grandes filles. Avec un bon blanc. Voilà, 13h. Oui, oui. On se repose un peu, non? Ouais. Difficile de venir à vous les tâches coriaces. Tu la portes correspondante. Aïe, j'attendais. Regarde, c'est une combinaison unique de poudre désincrustante et de gel boostant des maxillons. La capsule Fairy Peps est la plus efficace contre les tâches coriaces. Fairy, la meilleure capsule vaisselle contre les tâches coriaces. Qui a tremblé. Elle a vu la tour Eiffel. Bientôt, moi, tu vas marier. Toi, tu es là. Tu es une fiance qui. Avec mon gros ventre. Tu es une fiance qui, non. Tu n'es fiance personne. Parce que tu n'as pas un bon vécu. Les gens la mentent. Mais il faut qu'elle comprenne, qu'elle fasse un discernement entre ce qu'on lui dit et ce qu'elle pense de sa vie. Parce qu'il faut un discernement. Elle vit avec un rêve qui est faux, complètement faux. Parce que nous, qui sommes ambitieux, on vit le rêve de ce qu'on a envie d'être. Elle est dans un rêve biscornu, tordu, le rêve de 1960. Tu ne peux pas. J'ai fait les pays. Comment tu peux être en 2024 et te dire que tu as fait les pays quand tu avais fait? Je vais faire ceci en 2050. Dis-nous la vie. Elle a fait quel pays? Mais j'ai rêvé 70 pays ou 100 pays. Mais quel pays elle est faite? Mais sors de ton rêve biscornu, ma chérie. Sors de ton rêve biscornu. Regarde 2024, 2025, 2030. Prends le rendez-vous en 2050, en te donnant un peu d'espoir. Pourquoi tu parles de 2020? Pourquoi tu parles de 2030? Hein? C'est quelqu'un qui dit, ah, les regrets. Tu ne peux pas parler de 1960 quand on prenait l'indépendance. Tu viens nous ramener ça aujourd'hui, trop tard. Son nouveau morceau, c'est que, ah, les regrets. Elle ne va pas avancer. Les regrets, elle regrette toute sa vie. Ah, mais ça ne va pas avancer, hein? Yakuba. Aïcha, est-ce que j'appelle président Mouti? Ils sont un peu couchés, c'est dimanche. C'est quoi? Tu connais ma relation avec mon père Gungu. Mon père Gungu, c'est lui. Voilà, donc tu vas chercher Lolo fort. Parce que je pense que Lolo l'aime. Mais mon père Gungu, elle veut parler. Lolo l'aime sexuellement. Moi, au regard, elle espère. Moi, j'espère encore le père Gungu. Dans ses paroles. Mon père, je l'ai vu, je l'ai rentré, je l'ai vu dans la première classe. Kouda Angelo, c'est comment bonjour? Il a appelé. Où tu as écrit? Qui? Kouda Angelo. J'ai son numéro. Ah. Bah, vous êtes la soirée ensemble, non? Oui, non. J'ai pas pris son numéro. Quand c'est son numéro, je peux le prendre. Bien sûr. C'est mon frère, Bruno. Kouda Angelo. J'ai vu qu'il est le premier. Maman, c'est notre famille, non? La page sur la boule à pomme, non? Non, moi, je suis boule de sang. Mais lui, il est boule. Il est boule de bonheur. Ah.
Il est comme le papa de. Dasha dit, Dasha, tu sais, je ne veux pas te clasher, mais je veux te dire, tu sais, quand une personne ment, tu es une grande menteuse. Hein, il faut que les gens ne te croient plus, Dasha. Non. Hier, je suis partie un peu comme, donc j'avais mon téléphone et tout. Je suis partie, j'ai vu, elle a dit, si vous, mon camp, si vous voyez ce que je veux, ce n'est pas ton camp. C'est le camp de la famille. Et tu ne construis pas ça seul. Tu construis ça avec tes soeurs et tes frères de Londres. Hé! Hey! Tu as quel appartement ici? Hé! Hey! Arrête de mentir. Tu sais pourquoi, Tacha? Si tu dis que tu avais mon argent, c'est que tu allais refaire tes fesses depuis. Que tu allais refaire les seins depuis des années. Non. C'est quand Meta a commencé à payer. Oui, parce que Meta a payé bien à l'époque. C'est comme ça que tu as fait. Laissez. Laissez qui pèse même la graine. Hein. Laisse ça. C'est elle dit, hein? J'avais 10 employés. Elle ne sait même pas. C'est la CNPS que tu vas aller enregistrer. Comme je te connais, comme tu es radine. Tu peux. D'accord. Tu peux. Est-ce que tu peux devoir payer? Il y a des... Montre-nous là où tu te vois partir pour que c'est moi, c'est à moi ici. Ah. Parce que ce n'est pas à toi. Hey. Hein. Bon, la dame est là. C'est elle qui a ça. Elle, c'est une barnée qui écrit bien. Vous ne savez pas que les gens vous connaissent. Là. Mais attends. On dirait que tu as vécu dans une cabane ou quoi. Ah, je sens que tu te construis. Tu construis quoi? Tu vois les chantiers de quelqu'un, tu filmes, tu mets la fesse où? Ils ont vécu, ils étaient à plusieurs. C'était une chambre salon où sa mère se préoccupait. Tout le monde était là-bas dedans. Mais les cousins, il y avait un mètre, au moins 15 ou 20 ans là-dedans. Et là, elle, je crois qu'il a fait Natacha. Elle a dit dans une cabane. Vraiment. Non, parce que j'ai l'impression qu'elle a. Elle a tellement. Parce que l'immobilier pour. Mais qu'elle ne vit plus alors, mais. Non, les. Elle ne vit plus les affaires. Oui. Les trucs des gens, elle trouve un truc qui est à l'isolée, elle va être filmée. Mais jamais, dès qu'elle filme, une voiture n'a pas dedans. Non, je veux plus. Eh, hey, Natacha, donc avec tous les milliardaires que tu as dans ces mecs, dès que tu te réveilles, c'est pour ça que, quand même, malgré tout, je suis sûr de moi. Parce que là, vous, moi, j'ai fait ça avant vous tous. J'ai quand même fait. Tu sais, j'ai fait, maintenant, je veux prendre ma fonction, c'est-à-dire quoi? Ok. Je veux me vanter. Ok. Parce que moi j'ai au moins quand même. Ok. Ah, je veux ça. Moi, les femmes de ménage, c'était la CNPS. Parce que c'est là-bas que les gens voyaient les salaires, puis voilà, je cotisais pour elle. Tu ne connais plus rien. Hein? Si vous voyez mon carré, montre alors. La caméra, tu braques sur toi une place. Tes choses là. Tu sais depuis combien de temps tu casses la maison familiale là que tu construis le carré. Ah. Ça fait longtemps, hein? Ah! Ah. Hey, ma mère chérie. Elle a une soeur qui est handicapée, non? Natacha, une soeur qui est handicapée. Ne sais pas. Si. Elle a une soeur qui est handicapée. Qui a pris le mari de Natacha parce que Natacha n'a pas de dormir du haut et n'a pas celle en. Jure ce. Je m'en parle. Tu es évacué, mais tu me dis des choses. Mais sa soeur est proprement mariée avec l'homme qui devait vivre avec la soeur. C'était quoi un blanc? Sa soeur est bien. Donc sa soeur avait pris son mari. Sa soeur qui a demandé que sa soeur est handicapée. Donc ta soeur handicapée avait pris ton premier blanc. Oui. Et ils sont pas ensemble jusqu'aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble. Et vous avez bien. À Toulouse. Donc sa soeur à Toulouse. Ah, qui a eu. Il ne se parle pas. C'est pour ça qu'elle dit que j'ai présenté les gens m'ont trahi, ma soeur. Les gens m'ont trahi, ma soeur. Ça
quand on a su ça attribuer, elle a dit que j'ai présenté. Bon, moi, je ne voulais pas l'épouser. J'ai présenté à la santé, mais elle te présente quelqu'un qui a tout, qui a tout conçu le cas. Tu te dis que je veux, tu veux alors quoi? Quoi qu'il n'arrive, tu voulais quoi alors? Parce qu'elle voulait l'antique, c'est elle qui a présenté. C'est pas sa soeur qui est cocoloco. Elle en dira, elle en dira. Je sens que quand je vais avaler les huîtres aujourd'hui, je serai inspiré. Hey! Parce que ce n'est. Depuis qu'on construit la maison, la même maison depuis des années. Chut. Après, elle parle d'ailleurs. Elle dit que c'est à elle. Oh, Natacha! Yeah. Elle allait filmer les maisons des gens. Hein. Les studios meublés, c'est pour moi. Vous m'assez assise, hein. Et vous allez dire que la femme qui a le studio me bat. La femme qui a le studio me bat. Là, vous m'assez ici. Vous m'assez couché au canapé. Une barmélèque. Là, vous m'assez souvent là que c'est chez elle. C'est elle ici. Hey, Natou. Natou, le Natou. La, le. Beaucoup de gens l'appelaient. Oui, oui, beaucoup de gens l'appelaient comme ça. Là. Hey. Natou. Parce que j'ai dit, maintenant, depuis des années qu'elle construit le gang là. Alors qu'elle ménage l'argent avec toute sa famille. Perdu dans ce ménage. T'as rien quoi? Oh, ça se fait que Kokolok là, elle a beaucoup contribué. Hein. Oui, tout le monde contribue. La maman a beaucoup aidé celle qui est Kokolok là parce que sa maman aussi a épousé un blanc qui est bon. Elle a porté des conteneurs. Elle a mis des conteneurs. La mère de la tête, hein? Il n'y a pas de pieds dans la France, c'est. Si tu regardes bien le doigt de Maman Rose, Maman Rose. Oui, mais c'est toute maîtresse d'école, non? C'est toute maîtresse d'école. Oui, oui, c'est un peu ça, c'est pour les rêves bien. Donc, je ne raconte pas des conneries. Oh, le blanc est mort. Elle est tous les prêts. Elle avait 70, 77 clés. Elle est le doigt de Maman Rose, elle avait même quelques clés. Et là, les enfants ont dit qu'on ne veut pas, comme on ne veut pas la maison, on ne veut rien ici parce qu'on va déposer ça. Ma, Natacha et sa mère ont mis dans le conteneur. Le conteneur est parti rester des mois et des mois. Gardez-nous le problème, on va saisir vos choses. Natacha n'est pas sortie, la fille est chichinée. Natacha est trop chiche. Ah. Sa mère a cherché l'argent maintenant, c'est comme l'homme qui a donné l'argent. Je ne manque pas. Si je m'en ai dit que ça, est-ce que sa mère ne marche pas avec 77 clés au doigt comme ça? Quand elle arrive, il vient regarder le camp de mes enfants. Oui, le camp de mes enfants. Elle dit que c'est son camp, le camp de ses enfants. Oui, c'est le camp là, oui. Oui, je me souviens, oui, le camp, oui. Ils ont un camp, pour dire la vérité, ils ont un camp. Oui, mais c'est le camp là, mais c'est pas pour elle. Mais Natacha veut passer le camp là, comme non, ce n'est pas pour elle, parce que tout le monde cotise. Le camp qu'elle monte souvent là. Hey! Parce que c'est, pour moi, c'est la seule chose qu'elle a dans sa vie. Pas pour elle. Elle attend quand les enfants vont, quand les enfants vont grandir, ils auront que l'argent, on va la mettre dehors. Aïe, bah, c'est pas pour elle. C'est pas pour elle. C'est le camp de la famille et la personne qui a mis beaucoup d'argent là-bas dedans. Parce que son mari, là, elle est deux cœurs. Où Natacha est partie porter plainte à ce monsieur-là, monsieur Abbé. On couche ensemble dans le cadre du sexe. Et moi, je suis arrivé, votre soeur va plus. Et c'est eux qui ont Natacha. Mais qu'elle dit aussi, hein, elle a payé le blanc, hein, elle n'a pas payé sa soeur, mais elle a payé le blanc. Oui, parce qu'on lui a porté plainte. Coqueloque à l'enfant avec le blanc, la balle comme ça. Comme ça. Le camp là, Coqueloque a au moins la moitié du camp là. Par rapport à la gentillesse et l'argent de son mari. Qu'elle aille lui dire, hein. J'ai fait ceci. Facebook m'a, mais. Facebook m'a beaucoup, hein. Moi, je ne peux plus jamais croire à ce que Facebook dit. Parce que tout ce qu'on dit à Facebook est faux, pourquoi? Hein? On dit quoi? Pourquoi on dit les mensonges? Ce n'est pas son calme. La maison familiale, c'est pas pour elle. C'est sa soeur qui est Andira. Natacha, ta soeur est handicapée, non? Hein? T'es plus désolé. On casse. Hey! C'est le mari de sa soeur, de sa soeur. Qui donne les plans. Parce qu'on avait donné le plan, on n'a pas respecté le plan de la réhabilitation. Moi je parle français. Réhabilitation
des lieux. Il a donné le plan, il a donné la main, elle est partie au Cameroun, elle a fait comme ça lui plaisait. Et comme ça lui plaisait, comme le blanc, quand il avait quelque chose dans la tête, il n'en a pas ailleurs, il est venu recasser. Et elle dit que je suis allé recasser ma maison. C'est pas ta maison, ma chérie. C'est la maison familiale. Hey, Natacha, on va t'entendre. Pourquoi elle ne parle pas avec sa soeur? Et sa fille? Non, c'est tout le problème. Comme tu connais bien, parce qu'elle a un enfant, une fille. Elle m'a dit la fille à l'université à Toulouse. Mais bon, alors, vas-y. Yakuba. Natacha. Elle a dit les règles tout. Donc elle a eu la marche en ce moment, elle a connu, comment on l'a violée à 9 ans. Elle avait violé. À 9 ans. Ma parole, ferme ta bouche. Je me tais. Bonne année, oh. Bye, eh.